Les amis, bienvenue dans Un Bon Moment, j'espère que vous allez bien. Ouais. Je suis accompagné aujourd'hui, comme tous les jours, de Navo, mon fidèle... Acolyte, destrier, j'allais toujours. Dire. Ouais. Frère. Je suis ton destrier, frère. Qu'est-ce que c'est finalement un destrier? C'est un cheval. Je trouve pas ça ouf, mais... Non, c'est pas ouf. Il est sur mon dos, quoi. Ouais. Okay, ouais. je mange du ouin, c'est pas... Il a mis une carotte avec un bâton, ça s'appelle la SACEM. T'es payé en moi, j'avance. Carotte. Il y a la SACEM devant, comme ça. Et merde, j'ai foutu le monde. On est avec Yvick et Freddy Gladieux. Bien, auto-applause, les gars. Auto-applause. Bravo. Vous allez bien? Bah ouais, on est habitué à être ensemble, ça qui est cool. Merci d'être là. Bah ouais, grave. Je trouve que vous êtes le. Pour moi, vous êtes un des. Vous êtes le duo qui a renversé Instagram, le story game de Instagm. Bah moi, Yvick et D&M's, c'est mon meilleur truc. Ouais, non. Parlez bien devant juste le micro. Voilà. Effectivement. Plus vous parlez devant, plus vous êtes. Vous avez une voix à Chérie FM et plus vous êtes baisable. Je vous le dis tout de suite. Mmh. Ok. Oh. Mais il y a une évidence en fait à vous inviter tous les deux parce que sincèrement je pense et si je devais remettre des prix, tu sais on avait toujours pensé à mettre des il y avait des web comedy awards, des trucs comme ça. Moi j'aimerais bien faire une cérémonie web mais que moi, genre c'est des prix vraiment, que j'aime bien. Il y a que toi qui décides. Que je kiffe, voilà, me cassez pas les couilles, viens, voilà. Moi viens, on le fait. Les Ken Comedy Awards. Viens, on le fait, ouais, grave. Ouais. Et franchement, si j'avais un prix à vous remettre, ce serait le prix de la meilleure story ever que vous avez sorti. C'est la story sur les chansons où Vic se fait critiquer de beauf. Ouais. Et à un moment donné, tu dis, ouais, les gars, c'est pas ouf et tout. Extrait. Quand je vois tes deux fesses durcies, ma queue, je m'insère et t'aboie, et je t'ai mis qu'un doigt, je me contente de peu, t'es comme la Ligue 2, rien d'ostentatoire pour ma bite de noir. Allez! Ah ouais, ah, c'est pas mal. Non mais ouais, les gars, ouais. Vous avez la moi, meilleure ce que story. J'aime bien, c'est que la prémisse est longue en fait. C'est que ce qui fait que l'effet est encore plus fort, c'est que vraiment il y a au moins 3-4 stories. Où oui, c'est très sérieux. C'est long, c'est long. En fait, à la base, c'est vrai que c'est long. En fait. On s'était servi de ce tweet pour que en fait il y ait une sorte de bah pour amener les chansons paillardes parce qu'à la base on avait juste fait des chansons paillardes. On s'est dit non, on peut pas sortir ça comme ça. Ouais, les gens comprendraient pas. Premier degré, c'est tellement beauf, tu vois. Et on s'est dit, putain, et là en fait, le même jour, je vois un tweet sur moi qui dit que je suis beauf. Ce qui en soi, moi, me dérange absolument pas. Voilà, c'est pas grave. Mais je me suis dit, bah, c'est parfait, on va répondre à ce tweet comme ça, tu vois. Donc on dirait vraiment que je me suis pris la tête de ouf pour un tweet. C'est ça qui est trop marrant, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, le gars, il a l'air vraiment que j'ai été touché, piqué. Donc, putain, alors imaginez, genre, s'il a 3 tweets, le mec, fait un spectacle. Ah ouais, il dit, ah ouais, ok, bah c'est quoi, regarde. Continue à me clasher, vraiment, fallait voir ça. Et ce qui est hyper triste, c'est que le gars, là, il découvre ça. Ouais. Ça, lui, ça fait 2 ans, un an, qu'il dit. C'est grâce à moi, hein, le. Ouais. Là, il vient de découvrir quoi? J'ai alors, été manipulé. Non, pour le coup, c'était ouais une fille qui. En fait, c'est peut-être ça qui m'a pour ça que ça m'avait marqué, c'est que c'était une meuf qui avait tweeté et qui était un peu mignonne, tu vois. Et du coup, je m'étais vraiment dit. Ah ouais. Mais que un peu. Elle me trouve vraiment archi beau. Vraiment, voilà. Quand c'est une meuf, tout de suite, ça, c'est un tueur un peu plus piquant quand c'est une meuf qui dit que t'es beau. Tu vois. C'est pas grâce à toi et t'es que un peu mignonne. elle passe un excellent moment, tu sais, à regarder en disant j'espère qu'ils vont parler de moi. T'as vu les vues? C'est de ta faute. et le succès, ouais, était fou parce que c'était une story. C'est la meilleure. C'était en 2019 ou pas? Ouais, c'était. Non, c'était fin 2018. Mais ce qui était fou, c'est que. On l'a vraiment fait. En fait, les gens ont été choqués de l'investissement pour une story, en fait. Où vraiment, on avait fait des effets de caméra. Mais les gars, on avait fait des transitions avec mais des c'est FX, surtout très bien monté. Sous-titres. C'est bien monté, vous avez pris les bons c'est plans. C'est tellement pris la mais tête. Oui, mais c'est sûr, ça se voit fou. Que c'est qu'il y a un blinde. Ah, c'est fou. Moi, je me suis dit. Bah, regarde, il se prend tellement la session, là. Il se prend tellement la tête qu'il est en train de faire cette mise à jour. C'est vrai que t'as ramené ton ordinateur et tu fais tes mises à jour pendant l'émission. Oui, je paye tout. Je paye tout chroniqueur. Vous êtes chroniqueur, on va recevoir Yvick Le Texier, le nouveau chroniqueur de la matinale. C'est mise à jour. Vous allez nous faire votre horoscope décalé, n'est-ce pas? Allez-y. Alors, Bélier, gilet jaune. Gilet jaune. Non, moi, les gars, si je devais remettre des prix, je trouve que c'est la meilleure story. Et sincèrement, je ne sais pas si c'est comme nous, mais je ne sais pas si on parlait, mais moi, j'ai toujours, quand je fais des stories, je me prends beaucoup la tête aussi pour mes stories, des fois, c'est que j'ai un truc à faire, en fait. Quand je fais des bêtes de stories, c'est que j'ai un truc à faire à côté. C'est-à-dire que là, on est en train d'écrire une série ou un truc comme ça. Ah oui. Là, c'est le bon moment pour faire une bonne story de 3 heures et ne pas écrire. Ouais, c'est un peu vrai. Votre cas. C'est vrai qu'il y a mais alors, il faut faire un truc lié à l'humour. Parce que moi, quand je fais, par exemple, l'album, je suis pas du tout apte à faire des bonnes stories parce que je suis tellement dans un autre exercice et premier degré là-dedans. Parce que quand je fais de la musique, je suis très sérieux. Que du coup, c'est vachement dur de prendre du recul et d'en rigoler ou alors de faire un truc qui soit marrant alors que je suis 100% premier degré dans mon truc en studio. Ouais. Donc là, vu qu'on travaillait un gros projet d'écriture, on était tout le temps en train de faire des vannes. Donc c'était H24 des vannes. Et limite,
En fait, c'était notre. On sortait un peu de. C'était notre. De votre obligation, vous n'êtes plus obligé. C'était la cour notre échappatoire, entre guillemets. Mais au final, on continuait à faire des vannes, mais parce qu'en écrivant des vannes, on avait des trucs qui venaient. Et je me rappelle, il y avait aussi des stories quand on était dans l'autre maison avec Vincent et que j'avais mis la Vincent Tirel. Quand il faisait le pas de. Oui, excuse-moi, Vincent, on t'embrasse. Quand il faisait le pas de Théo, le Juicy Step Challenge, là. Ouais. Et que Vincent, il n'arrivait pas à le faire et que j'avais remixé avec d'autres musiques. Enfin, il y avait une période où on faisait plein de stories parce qu'on était tout le temps en train de se marrer, quoi. Donc ouais, c'est exactement ça. Je trouve que ça a vraiment inventé un humour, la story. Je trouve que ça a un peu révolutionné un peu un truc dans le sens où ça a créé un code de c'est un peu ce que Vine aurait dû devenir, tu vois, dans le sens où ça a créé un nouveau code. Maintenant, il y a TikTok. Je suis passé à côté. Non, mais comme Snap, je suis passé à côté. En vrai, c'est plus intéressant. Ouais. TikTok, c'est un peu le nouveau Vine. Et bah, en vrai, ouais, il y a des trucs de plus en plus intéressants. Bah, avant, il y a vraiment. En fait, je pense que tout dépend de ce que te propose l'algorithme. Quand t'arrives, si t'arrives et que tu vois que des danses et des gens qui font du playback, t'as très vite envie de décrocher. Alors qu'en vrai, il y a des trucs de plus en plus intéressants sur TikTok. Et je pense que ça peut-être être le nouveau Vine. Ouais, j'ai un TikTok. En observateur ou tu postes un peu Plus observateur, mais j'ai posté un petit truc. Mais pour l'instant, c'est vraiment du décalage. Enfin, en vrai, j'ai pas envie d'investir dedans. Si je dois faire une prédiction, je pense que ça va bouger vers TikTok là. Je sais pas pourquoi, tu crois? J'ai un petit. Ouais, bah de plus en plus. Feeling, là, que... En fait, on le sent sur Twitter, il y a de plus en plus de vidéos qui arrivent et qui viennent de TikTok. Logo, ouais, tu vois le petit logo de TikTok. Et surtout les nouveaux génies. Parce qu'en gros, quand t'es un nouveau génie, tu dis bon, bah c'est quoi la nouvelle plateforme? Ça sert à rien là-bas, ils ont déjà des millions d'abonnés. Ouais. Donc je vais pas réussir à percer. C'est quoi le nouveau truc? Ouais, c'est vrai. Ouais. À partir de 10 000 personnes, je commence déjà à être foufou. C'est ça. Comme il y a eu Vine, tu vois, à chaque fois, je pense qu'il y a un truc où t'arrives un peu tôt dans le délire. Parce qu'on est d'accord que TikTok, là, ça détourne maintenant. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment fait pour faire des lip-sync. Ouais, parce que ça vient de Musical.ly. Donc c'était vraiment que ça. Musical.ly avant. Mais vraiment que ça. Justement, il faudrait que, pour que ça devienne le nouveau Vine, qui est une sorte de. Tu vois, d'équilibre qui s'inverse. Faut qu'il y ait des humoristes. Ouais, et puis que les lip-syncs s'enlèvent un peu, puisqu'on a encore vu le cas de Juju Fit Cat. Je sais pas si vous avez vu avec le Bim Bam Boom. Ouais, ouais. C'est très TikTokien. Ouais. Et c'était un truc 100% TikTok comme, en termes de. C'est contenu. Très premier degré. Voilà. Ouais. Et du coup, ça décrédibilise aussi l'application avec ça, tu vois. Donc, ouais, c'est peut-être. Non, mais après, ça pivote, tu vois. Ouais, voilà, c'est pour c'est ça. Généralement, ça détourne. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, avec des nouvelles applis, il y a des nouveaux créatifs. C'est ça qui est génial. Parce qu'en gros, on sait très bien que là, si tu veux être connu, par exemple, sur YouTube, c'est fini, quoi. C'est trop tard. À moins que tu fasses des collabs avec des gros, c'est impossible qu'on te voie. C'est devenu un cercle fermé, quoi. Tu peux pas rentrer dedans. Instagram, c'est pareil. Et du coup, les nouvelles applications, bah forcément, il y a des nouveaux créatifs et tu découvres des nouvelles têtes. Donc là, c'est sûr qu'on ne les connaît pas encore, mais c'est sûr qu'il y a des nouvelles têtes. Quoi. Vous avez compris YouTube, c'est mort. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a une stat qui dit que... Ah ouais, vraiment ? Bah, y a une stat qui dit que 90% des vues sont faites par 5% des créateurs. Ah oui, ok, c'est qu'il faut connaître les gros pour... Et ça gonfle de plus en plus, c'est-à-dire que bientôt, ce sera 95% des vues seront faites par toujours 5% ou 3% des créateurs. Et c'est de plus en plus fermé, tu vois. Et c'est pour ça que c'est frais qu'il y a une nouvelle application, même si on n'est pas dessus. Hein, donc, je l'ai pas vu venir. Ouais, c'était cool ce que vous faisiez en tout cas. J'aimais bien. Ciao. Ouais, salut les gars. Ciao. Auto-générique. Non, on s'en fout, on vient de la télé. Vous n'étiez pas sur TikTok. Non, on est déjà mort, on fait de la télé. On est déjà, waouh, faut faire une émission sur YouTube apparemment. Waouh, il paraît que c'est branché. Non, moi je me souviens quand Snapchat est sorti, j'étais à fond sur Twitter et sur Insta déjà depuis assez pas mal de temps. Mais quand Snapchat est sorti, j'ai pas compris. J'ai fait, je comprends pas. Et c'est pourquoi la caméra elle est ouverte. Quand t'allumes Snapchat, pourquoi il y a la caméra qui est allumée tout de suite? Pourquoi il faut aller à droite? En fait, je me suis dit, je comprends pas. Okay. Et je me rappelle, c'était Big Flo Oli qui était à donf, genre, mais c'est Snap, c'est le truc de ouf. Bon, à l'époque, je crois, Oli avait 15-16 ans, tu vois. Il me dit, ça c'est un truc de ouf, je comprenais pas. Et quand TikTok est sorti, je suis allé voir, j'ai fait, merde, je comprends pas. Et je crois que maintenant, Big Flo, il m'a dit, putain, je comprends pas TikTok. Et je me dis, putain, okay. Voilà, en fait, c'est vraiment parce que l'application, très aspiré, je parlais jeune, quoi, tu vois, très très jeune. Non, mais c'est ça, c'est parce que les early adopters des réseaux sociaux, c'est toujours des jeunes. Donc quand t'es plus vieux et que tu vas voir une application au moment où les gens se mettent à en parler, quelle est cette application que vos enfants utilisent et que vous ne comprenez pas? Tu comprends pas, t'as l'âge d'être mais leur père. En fait, pourtant, j'en ai fait des logiciels dans ma vie, toi, j'en ai fait beaucoup, je pense, comme ça. Mais en fait, après, elle vieillit. Et en fait, en vieillissant, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a de plus en plus de gens qui se rapprochent de ton âge et de ta génération qui se mettent. Ce qui me tue, c'est que t'as dit le mot logiciel, en fait. Oui. C'est un fois, logiciel, ça. J'avais MS-DOS, moi. J'ai programmé. C'est vrai que j'ai logiciel, quand même. À chaque fois, il dit logiciel. Je dis pas, mais pour moi, c'est des logiciels. Pour moi, comment tu appelles ça? Instagram, c'est un logiciel, les gars. Je ne comprends pas ce jeu électronique. Ouais, c'est une appli.
Ça part d'un code, je veux dire, voilà. Mais je trouve qu'en tout cas, la story a amené un nouveau code comique. Par exemple, quand tu vois les stories de Jérôme, tu vois où il fait beaucoup de musique, ouais. Il fait des trucs. Même toi, tu fais beaucoup de trucs, avec les, tu répètes, tu fais la même story. Toi aussi, tu ferais la même story, mais vous changez la musique. Je trouve que ça a inventé un nouveau code de comédie qu'il n'y avait pas avant, tu vois. Genre, Freddy okay. m'a inspiré beaucoup de comment dire, de type de montage, de titrage, la de même zoom tête. Dans l'image, ouais. Machin, un truc comme ça. Moi, c'est Freddy qui, là-dessus, je trouve, a vraiment une grosse... part d'origine. Mais c'est emparé de l'outil, c'est clairement emparé de l'outil. Mais ça, on pouvait déjà le faire sur Snap, c'était génial. Il y avait ce truc de quand tu découvrais ça, c'était trop bien. Et maintenant, il y a ce truc encore plus fort sur Insta où tu peux directement mettre. C'est un détail, mais pour moi, c'était genre génial de d'un coup pouvoir faire en sorte que la musique, tu l'entendes vraiment proprement. Parce que tu peux mettre une musique sur Insta à l'époque, tu le faisais, mais d'un coup, tu mettais une musique sur Snap et tu faisais ta story pour faire ce truc. Mais c'est vrai que tu peux te rapprocher du montage. Et en fait, ce qui est toujours génial, c'est. Créer, parce que nous là on a plein d'outils, mais pour ceux qui commencent, qui ont je sais pas 15 ans, 16 ans, ils sont dans leur chambre, le fait d'avoir un téléphone pour créer, tu peux déjà faire beaucoup de choses, ouais, c'est déjà incroyable. Et du coup c'est pour ça qu'ils sont tellement créatifs, c'est que d'un coup on leur propose un truc qu'ils peuvent faire, qui est déjà complet, c'est ça, c'est un jouet incroyable quoi, tu vois, c'est une nouvelle console quoi. Avant il fallait que je fasse le montage sur mon ordi, mettre la musique ou mettre la musique sur mon téléphone et ensuite uploader sur Insta pour avoir de la musique dans mes stories quoi, je me rappelle. Ah, moi je me rappelle c'est quand je tournais des vines avec Jérôme Jarre, mes premiers vines qu'on avait tourné. Vraiment, on shootait, tac, et le temps d'aller à un autre endroit pour tourner un autre Vine, monter dans la voiture, c'est fou, ça. Et poster, et en plus, à l'époque, c'était un truc de fou, les vues, tu vois. Un million, limite, le temps d'arriver sur le deuxième le tournage, j'avais déjà fait le million de vues. T'as connu l'époque où tu pouvais pas annuler. Oui, oui, en plus, tout début Vine, tu pouvais pas annuler, tu faisais. Oui. Hey, salut, ça va? Ouais, ça va. Ah merde, pardon, j'ai raté. On le refait. Il n'y a pas annulé. Faut tout refaire. Tu devais refaire les plans. Tu peux ressauter. Et les premiers ricains qui avaient fait des premiers montages, on faisait. Oh. et en parallèle, il y avait des gens qui disaient c'est impur. Ouais. C'est impur, ça se voit. Il a fait un montage et après, il l'a uploadé. C'est pas ça l'esprit. Ouais, c'est ça. Et Jérôme Jarre, justement, il m'en parlait. Il me disait qu'il y avait une guerre là-bas, un peu des puristes. Des puristes, machin, c'était marrant. Tu vois, aujourd'hui, t'as l'impression que c'est des vieux maintenant. Est-ce que les vrais puristes avaient des logos genre Adobe Premiere barré comme ça? On a pas de logiciel, les gars. On a pas de logiciel. On a pas de logiciel. On a rien. Et en vrai, c'est ça qui a. En vrai, l'un des trucs qui a tué Vine, en vrai, c'est aussi le montage. C'est aussi ça qui est intéressant. Ouais. C'est quand ça a été totalement ouvert, on a vu des trucs très montés, tournés au 5D à l'époque. C'était très propre. On disait, ben non, c'est trop propre. Et d'un coup, ça il y avait un truc qui était là. Ah, ce grand cinéma du 5D, là. Ce flou. Ah, le flou. Je veux que ce soit flat, moi. C'est beaucoup trop beau, là. C'est. Non mais alors que ça a fait apparaître des gens de ouf comme The King et des trucs comme ça, c'est ouais. Ça qui est dingue, ouais, quoi, ouais, c'est ouais, sûr. Ouais. Apparaître, moi, après c'est le format, le fait d'être fort sur 6 secondes, c'est ça qui était hyper intéressant. Ouais. Nous on en faisait plein d'un moment donné, on devait écrire, tu te rappelles, on en faisait que des vines quoi. Ouais, mais oui, ça, quoi. C'est pareil nous avec les stories, tu vois, c'est ce truc là de... Des fois on a vraiment, je pense repenser à ça parce que des fois ça nous prend vraiment mais 4 heures à monter comme ça et tout, et vraiment on fait... Allez, on s'y remet après, à notre vrai taf, tu sais ce que je veux dire. Vraiment, on a niqué la journée pour une story, mais... C'est con, mais... C'est tellement kiffant. C'est tellement kiffant. C'est... Et en fait, les stories, c'est fou l'impact que ça a aussi, en fait, tu vois. Parce que la story qu'on a fait sur les chansons Payard, c'est devenu un peu même, tu vois, un peu sur Internet, c'est devenu... Enfin, les gens le renvoient souvent, c'est devenu une vidéo à part entière, en fait. Bah ouais. Alors que c'est je le poste sur la même... C'est la même application, le même logiciel, la même partie. Parle-moi mon langage. Parle-moi mon langage, parce que je comprends pas tout très bien. Qu'une story simple, je vais dire, retrouvez-moi demain sur YouTube. Enfin, tu sais ce que je veux dire, tu peux faire une story pour juste une photo avec tes potes, et en même temps, ou poster une vidéo. Moi, j'ai connu Théo Juice sur sa grâce à tes stories. T'es vraiment le tapis. Qui est mon poteau, tu vois. Mais j'avais pas connu. Freddy, c'est pareil, moi je t'ai connu grâce aux stories, tu vois. Je me rappelle, t'avais fait la story avec. C'était une vidéo, c'était une story, mais c'était le casseur. Le gars qui s'était déguisé, oui, tout à fait. Je suis. Tu te rappelles pas de cette vidéo? Bah, en fait, souvent quand on parle des stories, c'est tellement compliqué pour moi de m'en souvenir. Parce qu'à l'époque, je faisais presque une story par jour. Tu sais, c'était la vidéo des. Pendant les débuts des Gilets jaunes, il y avait des policiers déguisés en casseurs. Et c'était un mec sur BFM qui avait été interviewé. Il disait, oui, je suis là pour casser. Tu te rappelles pas de cette story? Putain, mais t'es mortel. Moi, je suis pas là pour les Gilets jaunes. Je suis là tout simplement pour casser. Moi, j'ai pas d'idée, moi. Moi, je viens des banlieues. On vit la misère dans les banlieues. Je suis pas là pour les gilets jaunes, oh non. Oh non, non, je suis là pour tout casser. Car je viens des banlieues, de tout ce qui est banlieue, c'est de là d'où je viens. On est confronté à l'injustice, tout ce qui est problème avec des juges. Et donc, je suis là pour me venger. Oh, eh oui.
et tout casser, je l'ai déjà dit. C'est ça que j'ai tapé des barres. Et en fait, c'était au début, tu regardes une série, tu dis, il est marrant, lui, c'est trop marrant. Puis en fait, tu regardes, tu dis, putain, mais c'est qui Afre? Et puis Freddy Gladue entre. Et je trouve que la story, maintenant, c'est une nouvelle forme d'expression. Il ne faut pas non plus sous-estimer ça. Quand Yvick, tu sors une story, moi, je dis, cool, il y a une story d'Yvick. Après, bon, je me dis, merde, il parle de son album. Je déconne. Là, t'avances, tu suis un peu, tu peux zapper un peu, tu vois, t'entends. Et à Besançon, tu fais non, toujours pas. Là, on va rigoler. Voilà, c'est ça, il va rigoler. Non, mais en fait, faut savoir que ça provoque au-delà de. Ah, c'est rigolo. Deuxième album, obligé de faire du sale. Obligé. Est-ce que la vraie question, est-ce qu'on est obligé de faire du sale pour le deuxième album, Yvick? Complètement, on est obligé. Excuse-moi, je te laisse reprendre. Non, je t'en prie. Est-ce que c'est pas un peu genre entrevue ou des trucs comme ça, Instagram maintenant? Parce qu'en gros, ça. Je me dis, non, je rigole, je vois un boule. Je vois une meuf bonne, je vois la vie privée d'un je vois la vie privée d'un artiste que j'aime bien. C'est genre entrevue, mais c'est moi qui fais l'édito, quoi. J'ai choisi les chroniques pour rigoler, les meufs bonnes qui. La dernière page avec des images humour beauf, avec un cul. Avec plein de mauvais journalistes au chômage. Du coup. Au milieu, t'as le poster de la meuf, voilà, t'es bien. L'interview d'un fouteux. Ah, c'est très entrevue, c'était tous mes trajets en TGV de mon enfance. Ça me manque un peu, ce. Bah ouais, entrevue, c'était un peu notre porno gratuit, quoi. Notre sexy. Gratuit. Ouais, tu t'es branlé sur quoi, sur quelle page Ah, alors, on peut y venir ou pas? En vrai, tu l'as fait ou pas? Si oui, je suis chaud de savoir sur quoi. C'est ça, pas entrevue, quoi, entrevue. C'est un magazine des années 90. Quelle page d'entrevue, tu veux? Sur quoi? Il y avait Guts, si vous vous rappelez du magazine Guts. Koé. C'est vrai, ça. C'était Koé, Guts. Est-ce que vous vous rappelez du Koé Burger? Ah oui, bah oui, au Quick. Chez Quick. Koé Burger. FIFA édition Koé, non. Allez, émission nostalgie. Vous vous souvenez des cassettes? C'est ouf, ouais. Et les logiciels, vous en souvenez des logiciels? Toujours présents, ils sont toujours là partout. Quoi. On est entouré de logiciels aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai ça. Non, mais en tout cas, ça a vraiment créé un truc. Et au-delà un nom de logiciel, un nom de logiciel que t'aimes bien. Au-delà de créer des sketchs. Avast. Peut-être qu'on est dans une simulation. Selon Elon Musk, ouais, bien sûr. Bon, après, je pense que la story, au-delà Est-ce de. Est-ce que Black Mirror, c'est le futur ou c'est maintenant? Moi, je pense que c'est maintenant, mais après. C'est trop Black Mirror. Il y a même des trucs, c'est déjà il y a 2 ans, Black Mirror. Tu vois, tu dis, ah ouais, c'était il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai que ça va être marrant le moment où on va commencer à regarder Black Mirror et que c'est juste notre vie. Mais non, mais. Ouais. Tu vois. Attends, t'es en second ou premier degré? Parce que moi, j'allais vraiment répondre. Non, mais mec, c'est un peu maintenant, quoi. Ah, ah ouais, lequel? Bah, je parle vraiment le truc de l'application avec. Tu mets des notes aux gens? Ouais. Bah, ça, là. Bah, en Chine, ils sont c'est complètement maintenant, tu vois. Donc vous avez vu un peu le délire ou pas en Chine? Oui, là, oui, j'ai vu un reportage, les gens. Non, mais, note, mais là, j'ai vu comment ça se passe pour quelqu'un qui est mal noté. T'as vu ce truc-là ou pas? Non. Quand t'appelles, genre, imaginons, j'ai une mauvaise note. Quand je t'appelle au téléphone, avant que tu mets, c'est-à-dire que quand tu décroches, t'entends pas, je peux pas tout de suite dire « Salut, c'est Davo, ça va ?» Ça fait « Le correspondant que vous allez joindre est très mal noté. Merci de le rappeler à ses obligations. » Quoi? Et après, tu peux me parler. Oh. Et la meuf, tu la vois, c'était une meuf, tu vois, elle dit, bah, je vais essayer de réserver un avion. Et tu la vois sur... Et là, tu vois une pop-up sur ce... qui dit, désolé, vous n'avez pas assez de points pour sortir du pays pour prendre un avion. Oh là là. Ah, c'est incroyable. Quoi? Je savais qu'il y avait tout un parce tas de trucs. Parce qu'elle a eu du retard sur le loyer ou un truc comme ça, quoi. Ah ouais. Et tu fais, waouh. Et tu dis, bah, c'est Black Mirror, là. Après, en vrai, elle avait qu'à avoir une bonne note. Hein. Allez. C'est facile, elle avait rien à cacher. Il faut payer son loyer à l'heure. Tout de suite, le nouveau mystère, vie jamais. C'est ça. 31 janvier. Plus jamais. Ah, d'ailleurs, moi, Ken, il m'a toujours impressionné parce qu'une fois, on marchait ensemble chez. Non, c'est, ou alors, c'est, je sais plus, c'était Mime qui m'avait expliqué, mais je parle d'un souvenir que j'ai peut-être même pas vécu avec toi. Il y a un truc dont je me rappelle bien, c'est un gars qui m'a raconté. C'est une anecdote. Non, mais c'est que tu marchais dans les escaliers, tu disais chaque note que tu. Quand la note de tes pas dans les escaliers. Ouais, mais ça, c'est parce que je suis autiste. Je trouve ça incroyable. Non, mais j'ai ce truc, ouais, c'est un jeu en fait. Je suis un freak à ce niveau-là. T'entends des sons partout tout le temps? Non, il entend les notes en fait. Il peut dire les notes. Ça doit être un do, là. La table, c'est un do. C'est fou. Si t'es à côté de lui tout le temps, qui dit do, là. Il s'amuse en fait, il s'amuse Navo. Il fait la ré, mi, ré, fa, la, do, la, sol, la, sol, la, sol, la. Il a du mal à le faire en plus. Parce que toi, tu sais que tu dis pas les mêmes. J'ai vraiment du mal. Moi, j'en fous, je fais do, 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 ré, mi, do, ré, do, fa, fa, mi, sol, dièse. ABC. C'est bien. Ah ouais, ça correspond pas. C'est comme quand il y a écrit rouge en jaune. Quand tu dis vas-y, lis et qu'il y a écrit rouge, mais il est en couleur jaune, bleu, il est en couleur verte, ça te rend ouf. Ça rend dingue. T'arrives pas à chanter faux du coup, tu peux pas chanter dans les fausses notes. Si, je sais chanter faux. Pour le coup, je sais chanter faux, mais non, c'est un truc que j'ai depuis que j'ai 6 ans et je reconnais les notes. Essaye de chanter la Marseillaise
avec les fausses notes. C'est pas facile. Allons, ouais, enfants facile. De la patrie, le jour de gloire est gloire était bon. Et le A de Allons était là. Ouais. C'est non, c'est dur. En vrai, ouais, c'est dur. Non, moi, c'est facile, il suffit que je chante la Marseillaise. Car je chante faux. C'est fou que vous n'y arrivez pas. Moi, j'ai du mal, ouais, je dois me forcer. C'est quand même dur, moi, c'est un vrai test. Mais il n'y a que dans les bons morceaux que j'entends pas les notes. Ah, ok. Ah, quand un morceau est bien mixé, bien masterisé. Genre jamais de Mystery Fit Pelcat. Jamais. C'est quoi, c'est un sol, c'est un lâche, je sais plus. Tu viens de la faire bien, là. Ouais, c'est complètement, t'es inventeur. Jamais. Mais c'est intéressant, c'est comme dans les bons scénarios où on se rend pas compte. De la structure. Ouais, de la structure, tu vois. Il y a un truc, bah. Bah là, c'est ça, c'est bien fait. Queen, par exemple, incapable d'entendre une note dans Queen. Incapable. Il faudrait que je réfléchisse. On arrive à la séquence freestyle, je crois. C'est parti. C'est parti. Grunt. Tu peux te lever. Il est hors champ. Avec des Heineken un peu posé partout et tout machin. Et 800 gars derrière. Mais je rêve d'être le mec derrière un Planète Rap qui fait ça. J'adorerais être le mec derrière qui fait. Vraiment pas compliqué. Et qui roule comme ça, tout le temps comme ça. D'ailleurs, il y a des vidéos sur internet, comme c'est genre le pire du planète rap ouais, sur YouTube. C'est tellement marrant. Qu'est-ce que c'est drôle. T'as les potes des fois qui essaient d'être dans le micro et de rappeler. C'est tellement drôle. Non. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, tu peux venir, tu restes derrière, frère. Il y a une vidéo de Jules comme ça, justement, où il remballe. Fais ça. Il est dégoûté. Il a vraiment cette tête-là, il fait... Mais les gars, la transition est toute faite. Je vous propose un premier jeu. Oh oui. Un premier jeu qu'on va faire ensemble. C'est un blind test sur les logiciels. Voilà. Ouais. Non, je vais vous mettre avec des chansons. Il faut deviner c'est quelle chanson. Ok. C'est génial, non? C'est original. Mais à l'envers. Non, c'est un blind test de bac dans les morceaux de rap. Donc je vais faire que les bacs. Ok. Et c'est à vous de reconnaître c'est quel morceau. Vous pouvez jouer de la voix. Des morceaux que j'ai fait. Mais attends, tu vas le mettre dans ton casque. Non, je vais juste. Moi, je vous joue les bacs. Ah, mais sans écouter le morceau. Non, j'écoute le morceau. Ok, d'accord. Moi, j'ai le morceau dans la. Donc t'as vraiment le morceau et tu suis en bac. Voilà, okay, d'accord. Tu suivais les bacs. Ok. Est-ce que c'est quelle époque à peu près en termes de. Il y a de tout. Rap français. Il y a de tout. Ouais, rap français. Ouais. Ok. Ah, rap français. Ok. Ouais, ouais. Moi, je connais pas les noms. Je dirais, ah, c'est le mec qui il a une veste verte des fois. Alors, il est menteur. Tu connais la crime. Okay. Et il l'a gardé 6 mois pour qu'on le reconnaisse. Vous êtes prêts, les gars? Donc, blind test de bac. Vous devez reconnaître la chanson juste selon les bacs. Ok. Grand. 10 ans. Orelsan. Mentor. Petit frère à Ayam. Gamin. Ok. C'est ça, petit frère d'Ayam. Petit frère d'Ayam. Gamin, joué. Ça c'est précis. Ça c'est précis. Bravo, d'un bravo. Coup. C'est bravo, bravo. Le rap, le rap de 88, ça vous parle Mister V ou pas? Moi c'est Mentor, vraiment. Ah ouais, c'est vraiment dur là. Il a dit grand, j'ai vu tous les rappeurs. Après il a dit Mentor, j'ai fait, il reste 3 intello. Ah, c'est trop dur. Ça va attaquer la tonne. C'était technique. Ok, c'est parti. Attention, je donne la pulsation. C'est boom bap déjà. Danger, danger. Casseur flotteur. Quel morceau? Danger. Bloqué. Bloqué. Yes. Vu que les bacs étaient toujours le même mot. C'est toujours le même mot. C'est toujours le même putain de mot. C'est vrai, c'est vrai. Putain, t'es fort, hein, bravo. Hein. Ouais, c'est peut-être qu'il faut que j'arrête, non? C'est pas très sympa. Tu fasses semblant. Pour nos invités. Tu sais, j'ai l'impression d'arriver chez Goldman et il dit, on fait un bœuf? Ouais, allez, on fait chacun un morceau. Enfin, bah, c'est mignon. Un karaoké, les gars. Enfin, mec, tu chantes hyper bien comme ça. Tout ce qu'il fait, ouais. C'est... Mais je m'attendais tellement à des trucs plus ad-lib du genre, waouh. Ouais. Ça déstabilise parce que t'arrives pas trop à savoir... Ouais. Quelle partie du son tu fais? Là, vous pouvez reconnaître soit le gars qui fait les bacs, vous allez le reconnaître, je pense, assez facilement, mais c'est quel morceau? D'accord? Waouh, j'ai pas compris, mais on va comprendre. Que... On va comprendre en le faisant. Comme les gens qui disent, mais viens, on fait une partie, quand tu essaies d'expliquer les règles. Viens, on fait une partie pour voir. Tiens, je vais comprendre. Attention. Gang, gang! Gang! Ah, Niska? Gang! Bien, ouais. Tant réseau, mais c'est pas ça. Le mec a voulu ce qu'il a voulu. Wesh le gang. Wesh le gang. Je pensais pas à morceau. Wesh le gang de Niska. De ce que j'ai compris de la règle. WLG Niska. Réseau de Niska.
Parce que de ce que j'ai compris, je crois que c'est pas un morceau de Niska. C'est Niska qui back. Ah, c'est pas Niska. Ah, c'est Niska qui back. Nekfeu qui back. Yes. Je sais pas quel morceau de Niska. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un Voyage morceau. Voyage léger. Ah, ok. Avec Nekfeu. Mais c'est pas Niska. C'est pas. Si, c'est Niska derrière. Ah, je savais pas que c'était Niska. C'est Niska qui fait. Okay. Je crois que c'est Niska qui a produit le morceau. Je crois. Dans mes souvenirs, c'était un peu ça, quoi. Ok, bah il a. Gang. Ah, mais en fait, là, c'était pas les backs. C'était pas les backs. En fait, là, t'as fait les ambiances. Ah ouais. Ah merde, je savais pas. Les backs, c'est chargé. Ah ouais, mais il y a pas de bac. Il y a vraiment Niska qui est derrière. Moi, je pensais que c'était ça depuis le début. Moi, au début, quand tu l'as parlé, je pensais que ce serait ça, moi. Il y en a qui disent d'autres termes, il y en a qui disent doubleur. Ouais. C'est top liner. Non. C'est un peu top liner là-dessus ou pas? Non, le top liner, c'est celui qui trouve les gimmicks. La mélodie. Non, en fait, à ma vieille époque, on disait boost ou back pour le gars qui fait vraiment les mots en même temps que. Et là, c'est quoi? Boost, on disait. Ouais, en fait, tu fais les boosts. Là, c'est quoi? C'est pas adlib? Et derrière, on disait. Adlib, c'est les yeah, mama, that's right. Ça, c'est adlib. Et nous, les ambiances, c'est juste les mots. Par exemple, sur réseau, ça ferait. Quand je follow. Ah, c'est marrant, bah, ça c'est inversé. Et ça c'est Ça serait back. Ok, d'accord. Okay. Okay. Ah putain, tout c'est un ça bloqué. Bah, okay. Si tu répètes bloqué en même temps que voilà, bloqué. Bloqué, c'est un break. Pouloulou, Niska, réseau. Ouais, ouais. Jamais, Mister V. Oh. On dirait ça plane pour moi pour l'instant. Mais... c'est vrai, c'est ça. Plastique Bertrand. Ah, c'est très marrant, on va le refaire. Ah, il n'y en a que trois sur ce son. Bah là, c'est un son d'une seconde. C'est une pub. Mais il me regarde avec lui, je me dis c'est peut-être moins. Mais il rappe pas dessus. Ah, SCH? Ah non, Format People. Est-ce que c'est, on dirait les ambiances vers cette époque. On dirait les ambiances de Cool Chain. Ouais, mais non. Ouais. NTM. Ouais. T'es. Les gars. NTM. C'est. Vous voulez. C'est récent. Est-ce que c'est vous récent. Est-ce que c'est un truc c'est très récent. Ah, est-ce que c'est un truc à toi. Bah j'ai demandé. Ah c'est peut-être ça. Hein. De quoi. Soit, moi. C'est un truc d'Ivic. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est jamais qui va sortir un truc de Blast Blast Street Streaming. Plus jamais. Le mec il fait même pas ses sons. Allez, on l'a cramé, c'est réglé. C'est Plastique Bertrand alors. Et bah, en plus j'ai répondu. On va peut-être pouvoir. Il m'a regardé, il faisait. Ouais, il avait l'air. C'est quoi? C'est quoi? J'ai pas reconnu, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il avait l'air content que tu trouves pas. C'est ça qui était marrant, exactement. Je te l'ai dit en plus, je me suis dit Mister B jamais. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. En fait, j'entends trois sons dans tous les sens, donc c'est horrible. On dirait un piège, on dirait que c'est un ping. Et que une fois que tu t'as pas reconnu, et bah maintenant on peut peut-être parler de Dimitri. Et toi, tu sais que c'est le gars qui rappe à ta place. Dimitri qui est là ce soir. Il arrive. Ouais, bah voilà. Mini-vanille. C'est vrai que Yvick m'a payé, mais bon, c'est seulement quelques cachets c'est pour ça. Rapper à sa place. On sait la vérité maintenant. Je suis Dimitri, toujours sous la scène. Dimitri. Non, mais c'est ça le. Ouais, ouais. Ouais, c'est exactement. Je trouve ça trop marrant. Ouais, parce qu'après, on fait que des morceaux avec le mec et là qui fait. Oui, après. T'as pas fait un truc comme ça sur Rap Réalité, un truc comme ça. T'as pas fait un truc que non, parce que c'était un truc qui avait déjà été pas mal vu justement. Parce que souvent ça se voit, tu les vois dans les making of de rappeurs, par exemple les Migos, c'est des pros de ça. Et tu les vois derrière, c'est vraiment maman, yeah, comme ça ils sont derrière. Et ça me fait tellement. Mais c'est un vrai art maintenant. C'est devenu un vrai art chez les rappeurs. Ah bah c'est clair que ça booste un morceau de ouf. Il y a un rappeur qui s'appelle DaBaby, il rappe et ses ambiances, elles sont au même volume. Que sa lead de voix, tu vois ce que je veux dire, c'est devenu aussi important que la voix trap, non parce que c'est trap, c'est non ouais. Mais c'est vrai quand c'est de la moi je connaissais pas, mais quand c'est de la trap pour moi c'est un truc de jeune, la trap c'est très... Non mais c'est très la trap c'est... les ambiances TikTok sont, et trap c'est les deux trucs deux logiciels qui ça va faire fureur ça. Ça c'est incroyable. Non, les jeunes vont adorer. C'est du coup comme il y a beaucoup d'espace les gimmicks qui sont hyper importants complètement, c'est devenu aujourd'hui limite aussi important d'avoir des bonnes adlibs que la lead, ouais. Je crois qu'il y a un son de Travis où effectivement les adlibs sont genre hyper fortes. Ah ouais. Et au début, c'est surprenant. Tu dis, let's quoi go. C'est un problème de mix et tout. Et non, c'est vraiment, il a tenté ce truc-là et il a fait. Mais dans un morceau de Childish Gambino d'ailleurs, comment ça s'appelle This is America, un truc comme ça. Je crois que c'est tous les adlibs des rappeurs côté aux États-Unis. Je crois qu'il y a Migos, il y a. Ok, je sais pas. Il y a Trio Migos, il y a. Il y a tous les boss de la trap justement qui sont dedans. Ils ont tous un truc et on le reconnaît vraiment si tu connais vraiment leur signature, un peu leur okay. De Arsenic. Ah trop bien. Moi je parle de mon époque.
Trop bien. Voilà, tu reconnais vraiment ça pour l'anecdote. Ah, bon clin d'œil. Encore trois morceaux. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne me croient pas, donc j'aimerais que les gens qui le savent peut-être... Mais tu es chez Aldish, personne n'y croit. Je suis Lino. C'est vrai. Non, c'est qu'en fait, il y a une différence entre les tch et les tch. C'est-à-dire que tch, c'est Lino, et tch, c'est Calbo. C'est Calbo. Mais personne ne me croit jamais. Comment ils se le sont partagés? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je pense qu'ils l'ont fait naturellement. Il y en a qui fait tch, l'autre il répond, il fait tch. Ah, d'accord, c'est un peu leur délire de pote frère, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, tu peux les reconnaître. C'est pas tch et tch, c'est tch et tch. Ah, je savais pas. Ok. Putain. Ouais, c'est marrant. C'est un peu un bon locomotive avec du recul, mais. Prochain morceau. Alright! Joestar. Ok. Madame Benz. Dans ma Benz. Merde. Non, c'est Sensani Style. C'est ça, Sensani Style. Ah, bien vu. Le alright était facile. Ouais. Surtout le. Oui, le grain de voix. Aurel San. Bien, putain. Trop fort. Ok. Ouais. Ah, c'est vraiment Aurel San, du coup. Ça, c'est vraiment Aurel San. Non. Ah, ok. Le gars regrettait, genre, j'ai niqué le jeu. En même temps, j'ai pas donné le titre. Mais... Alors. Ok, c'est parti. Bonjour. Ni sa mère. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ah, Val de bonjour. Aïe, ouais. C'est un son muet qui faisait ses ambiances. C'est un écho, en fait. C'est plus un écho. Ok, dernier morceau. Attention, un truc de rapidité, si vous êtes, surtout si vous êtes né à notre époque. L'ascension de Val depuis Bonjour, quand même. Elle est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Cool. Son parcours, il est incroyable. Je crois qu'en plus, Navo est vraiment, vraiment fan du dernier album. Ouais. Ah ouais. Non, c'était l'avant-dernier. Depuis, j'avoue, je l'ai unfollow. Ouais, c'est... Ouais, tellement bien, le dernier album. Sur deux, on est pas mal. Moi, c'est impressionnant, hein, depuis. Ça ne cesse de monter. Ah oui, c'est une ascension fulgurante. C'est bravo, levé. C'est incroyable. Le mec a taffé. Hein. Le mec a taffé. Ouais. Qui a gagné? Bah, en tout cas, il n'y a pas de gagnant. C'est dans un bon moment. Il y a c'est pas de gagnant. En vrai, c'est Navo. C'est le rap français qui a gagné. C'est le rap français. C'est la culture. C'est la culture française. C'est la pop musique qui a gagné. La musique urbaine française. C'est de la pop. Moi, je tiens à dire que la culture, c'est important. Bien sûr. Ah bah, c'est la base. Et toutes les cultures, s'il vous plaît. C'est vrai. C'est la base. Pas d'élitisme. Je suis allé faire un tour sur ton Insta. Yvick, explique-moi ça. C'est quoi ce délire? Ok. Quoi ça? Tu veux que j'explique pourquoi je suis dans la soundtrack de NBA 2K20? Incroyable. Incroyable. Aux côtés de Drake. Attends, on voit Drake. Drake. 20. Drake. Ouais, j'appelle Aubrey. C'est vraiment son vrai nom. J'appelle Aubrey. C'est incroyable. C'est quoi, c'était fou. Bah. Déjà d'être dedans, t'es dans le jeu. Ouais, je suis dans le jeu. Bon, pas pour tout le monde, malheureusement. Comme vous avez pu le voir sur Twitter avec le mème qui a fait ça, un c'était peu... tellement des barres. T'es devenu un mème. On m'a un peu vu. C'est le mème de Twitter. C'est fou. C'est le mème français. Si je devais faire un concours de mèmes 2019, t'aurais le prix de 2019. Incroyable. Vraiment, je me voyais. Mais je me vois encore partout sur des. En plus, sur des montages ricains. De gens qui savent pas du tout qui je suis. Ah oui, vraiment? C'est vraiment mon visage qui est devenu. Alors attends, parce que je n'ai pas. Il n'y a même plus de référence à moi, en fait. Ah, c'est drôle. En fait, mon personnage de NBA 2K, quand j'ai été scanné en 3D, mon visage était. Je devais être très sérieux et comme ça. Et du coup, ma tête, elle est. Voilà, très. Stoïque. Ouais, et puis elle. Ah oui, mais je l'ai vu passer. Voilà, okay. Elle reprend vraiment comme ça. Voilà. Ok. Et donc, c'est devenu ça, c'est devenu un mème, quoi. Et ce visage est vraiment devenu. Il est stoïque, même quand il joue, il est comme ça. Et vraiment, tu me vois très sérieux, et on dirait un peu la tête que je peux faire des fois dans mes vidéos quand je fais le personnage un peu déçu, blasé, tout ça. Et du coup, bah, les gens ont adoré et je suis devenu un mème. Mais ensuite, Touquet m'a recontacté, mais pas du tout aucun rapport avec le personnage pour me demander est-ce que t'as un des sons. Et c'est un son de ton album qui va sortir? Non, c'est un truc qui est déjà sorti qui s'appelle Saint Laurent, qui est un featuring avec Rojay. Et on avait déjà sorti le son, et en fait, ils ont kiffé et ils l'ont mis dans le jeu. Mais ce qui est drôle, par contre, c'est qu'ils l'ont censuré. Parce qu'ils ne comprenaient pas toutes les paroles, donc ils nous ont demandé la traduction. Mais du coup, dès qu'ils ont un mot, ils ont peur, ils censurent. Sauf qu'il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, qui sont des gros mots qui sont pas censurés, et d'autres qui ne sont pas des gros mots qui sont censurés. Genre métro, c'est censuré. Ouais, non, le mot bombe, il est censuré, alors que quand je dis le mot bombe, il n'a rien à voir avec une bombe. D'accord, tu vois ce que je veux dire. Okay. Et ils l'ont censuré, alors qu'il y a d'autres mots qu'ils n'ont pas censurés. T'entends un énorme pute ou un truc comme ça, ils n'ont pas censuré. Ah, c'est drôle. Donc c'est assez marrant dans le jeu. Mais en tout cas, voilà, il est dispo. Et dans la tracklist, il est juste en dessous de Drake.
Vraiment, t'as Drake, en dessous, t'as Mister V. Donc vraiment fou. Et tu, vas avoir ce, tu vas avoir ce truc quand les gens vont écouter la, la bande-son, quand ils vont écouter le tracklisting, c'est que vous n'avez pas ça quand vous écoutez beaucoup un album, quand la chanson se termine, dans ta tête, t'as le début de la prochaine. Ouais, tu sais ce que c'est, ouais. Tu fais genre, nanana, 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 ah merde. Les gens vont connaître comme ça ton ils vont dire, vraiment, ouais, c'est... En gros, il est en train de se dire, les gens vont écouter sur toi que le début. Voilà. Ouais, voilà. Non, mais c'est charmé, c'est un boost de ouf. Attends, tu te rends pas compte, moi, je suis super malade. C'est trop bien. Ouais, c'est le mec d'après Drake. Tu veux t'imagines dans ton concert club. Mister V en concert, le mec après Drake sur la scène. Pendant deux mois, faut que tu marches avec Drake au-dessus de toi pour que les gens te reconnaissent. Moi, non, mais c'est fou. Moi, en fait, ce qui est ouf, c'est que sur l'affiche, mon nom est de la même taille que celui de Drake. C'est ce que je veux dire, Mister V et Drake, il a la même taille de police. Méga stylé. Ouais. Moi, je trouve que tu fais vachement. Parce qu'il est pas long, c'est juste pour ça, en fait. Ouais, c'est ça. Les gens pensaient que c'était une affiche de festival aussi. Ça m'a fait marrer. Il y a Idriss Elba aussi. Ouais, Idriss Elba, ça c'était fou ça aussi. Moi je trouve que tu fais vachement bien ta transition avec justement la musique. Justement, c'est toujours un peu compliqué les étiquettes. Généralement, je pense que les étiquettes, surtout en France. Ça existe quand tu fais vraiment la même chose tout le temps depuis 8-10 ans. L'étiquette vraiment, elle arrive à ce moment-là. Mais je trouve que tu as toujours su faire un sketch, tu as fait rap réalité, mais tu sors ton album et tout. Et c'est crédible en fait. On voit que ton projet il est sincère. Tu sens que c'est pas un produit dérivé d'un gars qui a du succès sur Internet. C'est pas l'agenda. On sent que c'est sincère et je trouve que c'est vachement... Là, t'es bientôt en tournée, je crois, parce que là l'émission est diffusée à peu près à février. Ok, ouais. Donc là, t'es bientôt en tournée. Dans deux mois, ouais. On part en tournée dans deux mois. L'album est sorti, ça veut dire. L'album est sorti. Vous avez aimé le feat avec Jules. Et du coup... T'avais la pression ou pas? T'avais la pression de sortir un projet musical? Alors, le premier... Bien sûr, parce que c'était aux antipodes de là où je viens, quoi, la comédie, l'humour et tout. Donc il fallait arriver et faire un rap. Moi, je fais pas un rap parodique, je fais un rap sérieux, donc c'était d'autant plus compliqué parce que. T'as fait du rap parodique un peu, t'as fait de la musique, t'as bien sûr. Je suis arrivé par en fait, je suis arrivé en faisant des blagues dans mes vidéos. Donc la transition, elle s'est fait quand même petit à petit. Je suis pas arrivé du jour au lendemain avec un truc. Le mec, c'est une autre personne, il parle pas de la même façon, tout ça. Et du coup, la transition, elle s'est fait plutôt naturellement, ça s'est bien passé. J'ai pas voulu faire tourner non plus sur le premier album pour pas griller non plus l'étape de le mec, d'un coup, il change du tout au tout, il devient rappeur à 100%. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les gens ont validé le projet aussi sur le premier. C'est parce qu'ils ont senti une démarche qui était sincère et où je voulais pas prendre la place de qui que ce soit. Exactement. J'avais juste besoin de le faire. Et en plus, les rappeurs te kiffent. Tu les fais gueulerie de ouf et en plus, ils kiffent. Quoi. Les rappeurs te kiffent, je trouve que t'es cautionné par le milieu. Quoi. C'est vrai que ça c'est cool parce que aussi, je veux respecter l'art aussi là-dedans. Tu vois, quand je fais rap versus réalité, c'est pas yo yo, je suis le rappeur. Le énième yo yo. Tu vois ce que je veux dire? Yo 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 yo. Ils savent même pas. Ouais, yo yo. Le pantalon baissé. Et donc je voulais en faire quelque chose. J'aime bien ça, le pantalon baissé. Ziva. Le Ziva. Oh, Ziva m'a remé, elle m'a mécra. En train de méfu. Trop la lergue. Juin. Bédo. Non, pas envie de voir ça une énième fois, tu vois. Donc c'était plus. Moi, si je dois le faire, je le fais vraiment dans les règles de l'art, en respectant le plus possible. Mais par contre, je kiffe aussi en faire. Et j'ai pas voulu me dire non, tu vas pas le faire. J'ai dit de toute façon, fais-le. Et si ça marche pas, ça marche pas. T'auras tenté. Et je veux pas avoir de regrets plus tard. Donc voilà, j'en fais un deuxième. Pas parce que j'avais pas envie d'avoir de regrets. C'est parce que le premier a marché. Je me dis j'ai envie de le faire. Le deuxième plus à fond. T'es sincère. Et surtout que Damso m'a grave boosté. Il m'a carrément fait un appel. C'est vrai. En story, un appel pour que les gens m'envoient des prods. Et j'ai reçu 16 000 prods en l'espace de 3 jours sur un mail. Attends, 16 000 mails. Donc des fois, il y avait des mails avec 8 prods dedans. Donc vraiment, il y a beaucoup plus de prods que ça. Et donc, ouais, j'ai eu du soutien de fou. Et du coup, là, ça m'a pris un an et demi à vraiment composer le deuxième album. Et donc, là, j'ai pu taffer vraiment à fond. Beaucoup plus, avec beaucoup plus de, beaucoup plus serein, de sérénité que le premier, où j'étais un peu sur un entre-deux de « je fais un peu d'humour encore, donc je mélange un peu les deux ». Là, dans celui-là, on ressent beaucoup plus à « allez, on y va ». Ça y est, on y va. Les gens ont accepté le truc. Tu vois, le feat avec PLK l'a prouvé, parce que c'était vraiment un son sérieux. Et il n'y a pas de... Il y a pas de vanne en fait, parce que voilà, ça y est, maintenant j'en fais sans vanne, et puis je pense que les gens, c'est très dur à faire, c'est très délicat à faire. Je trouve que tu l'as bien fait, t'as pris du temps, l'as fait sincèrement. Ça pouvait pas se faire du jour au lendemain. Je pense que la clé, c'est d'être sincère. Enfin, voilà, c'est pas l'opportunité, ça sent l'opportunité. Freddy, toi, je sais pas, on en parlait avec Freddy parce que justement je prépare une vidéo pour parler de ce second album, et j'ai pas envie
de faire comme sur le premier où j'étais arrivé un peu je fais un album, si vous voulez l'écouter, écoutez-le. Là, je vais arriver plus c'est le deuxième, mais toujours en parlant avec humour et sans changer pour autant ma personne. Je vais pas arriver le deuxième et d'un coup le mec il présente son album en mode bah voilà, on a travaillé le projet, ça a été un truc très long, haleine, le produit t'as capté, on a une équipe, il a fallu faire des concessions de sacrifice parce qu'il y a des salopes dans le milieu, t'as capté, comme ça. Tu fais waouh, il veut quoi lui, il a vu le graphe, aucune vanne, il supprime toutes ses vidéos humoristiques, il les supprime toutes, la chaîne ferme et tout, c'est le passé, la vraie vie c'est maintenant, c'est comme ça se passe, le twist, voilà. Non, vraiment je reste moi-même là-dessus, je voulais vraiment pas là-dessus, je voulais vraiment que ça se fasse bien, donc voilà, c'est ça qu'on bosse. Et vous bossez ensemble, vous bossez sur des trucs ensemble Tu trouves, tu penses? Est-ce qu'on peut en parler? Vous connaissez? Ouais. On s'est vu sur Vine. J'adore ce qu'il fait. Travailler ensemble sur des trucs. Je vais juste lui laisser répondre à la première question parce que Vas-y, pardon, ouais. Non, mais j'avais un spécial à dire. C'est vrai qu'on aurait dit à Marie. Désolé. C'est mon projet, c'est moi qui en parle. Il a vraiment dit. Et toi, Freddy, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ce que Freddy en pense, c'est c'est vraiment qu'on ça. En parle. Je vais juste répondre à la. Vraiment finir parce que Freddy m'aide là-dessus. On bosse à fond là-dessus, mais je vais te laisser. En fait, moi, c'est surtout que pour la partie humour, où on taffe sur les vidéos, mais sur la musique, il a pas. Je pense que la différence entre Ivy qui est d'autres gens qui peuvent faire du son, c'est qu'il y a une vraie sincérité, il y a une vraie connaissance du truc. Il sait ce qu'il fait et c'est pas. Contrairement à qui, tu veux dire, je crois. À plein de gens. Non, mais qui, par exemple. En vrai, j'ai même pas de nom en tête pour te dire, mais c'est tellement. C'est tellement souvent ce truc que ça arrive de. On sait que d'un coup, une célébrité tout court, quoi, ça peut devenir un produit. Et si tu peux lui faire faire de la musique, elle fait de la musique. Parce que ça, c'est qu'en fait, quand t'as une visibilité, une notoriété, il y a des gens qui gravitent autour de toi, qui commencent à dire, qui font. Et si jamais tu veux sortir un livre ou si tu veux sortir un truc, c'est ça en fait. On te dit, t'inquiète, si t'as pas envie de le faire, t'inquiète, il y a quelqu'un qui va l'écrire pour toi, on va te mettre en direction. Et en fait, les gens vont monétiser ta notoriété. C'est très fréquent pour la BD, par exemple. Ça arrive souvent. C'est des produits, tu sais que l'artiste, il prend un cachet, il fait un truc, mais il s'est à peine impliqué dedans et tout. Et c'est toute la différence avec Ivy qui connaît très bien le sujet et qui a un vrai truc sincère, quoi. Tu vois, un vrai truc où se prend la tête. Pas de démarche artistique dans la BD de Caméra Café. Attends, mais moi j'étais à fond, j'étais là, mais ouais putain, c'est Jean-Claude Convenant et tout. C'est sincère. J'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Moi non plus, donc c'est génial. L'inverse. Je trouve c'est vachement bien. Le gars, il est là, ça fait des années, je voulais faire une BD. Ouais, grave. T'as su lui acheter sur deux secondes. Depuis que je suis né, je veux faire la BD Caméra Café, vraiment, c'est son grand œuvre. Tout le monde dit, c'est un truc commercial, n'est-ce pas? Ah, mais tu vois la différence de l'implication où. Je sais quoi, c'est-à-dire que ces derniers temps c'était impossible presque de le joindre, tu vois. Il y a un truc où il était focus sur son album et tout, et tu vois, genre il se prend la tête, tu vois. Il y a un truc de quoi, il est là d'un coup, en réunion, il lance un son, il dit il fait des retours directs, tu vois que le gars il est investi de ouf. C'est pas, il dit c'est bon, ce son il est propre, c'est bon, c'est réglé, j'ai fait une prise, allez vas-y, mix master, tu le sors, c'est réglé, mon image ça va faire le taf. Et non, tu vois, et c'est ça qui est hyper intéressant, tu vois. C'est ça le truc qui fait que c'est pour ça aussi que ça marche, et je crois que c'est important que ça marche pour cette raison là quoi. Hier on ça bouge. Marche pas, si ça marche pas, on s'énerve. Ouais, vraiment. Là, elle va faire chier. Parce que vraiment, ouais. Non, ouais, vraiment, il se prend la tête et c'est sincère. Et c'est aussi pour ça qu'en vrai, rap versus réalité, ça marche. Et ça marche aussi bien parce Cali, que les gens. C'est Cali. Et justement, c'est aussi parce qu'il y a une maîtrise du sujet, tu vois. C'est de pas ouf. Un truc où ça se moque de, tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai, il y a un vrai respect. Tu l'as écrit avec, tu l'as ouais. Parce que t'es ouais, dedans. On l'a écrit ensemble et tout. Et en vrai, on kiffe les rappeurs, tu vois. Il y a un vrai. C'est sincère, quoi. C'est pas on se moque d'eux. Et à côté, nous, on écoute de la techno et on dit c'est tellement de la musique de merde, le rap. On est mecs que ça fait. Yo, j'y vais. Ouais, je pense que c'est ça qui fait toute la différence. C'est qu'il y a, pour le coup, on kiffe ce que les gens font, quoi, tu vois. Et bon, voilà, c'est la différence. T'as une vanne dans Rap Réalité qui me fait marrer. C'est du 42. Quand t'as un saut qui dit je vais te goumer. Il a le pied ici. Il fait c'est du 42. Mais t'es quoi donc? Allez là, allez, tranquille. Ah ouais, c'est du 42 ça. Ça m'a fait taper des barres. Ah bon, on l'a mis direct en chute, c'est incroyable celle-là. Incroyable. En plus, c'est ta pointure en plus. C'est clairement ma 42,5. C'est bon, je me serais plus identifié. C'est ça. Vous avez su créer des choses universelles, vous êtes parti de quelque chose de là et ça. Moi, j'ai dit la vanne est bien, mais elle va me serrer un peu au niveau du gros aux orteils. C'est ça, les vannes partent de qu'est-ce qu'est l'homme moyen et on fait des vannes sur le. On part de Saluna, schéma, très technique nous. Vous avez d'autres projets ensemble, les gars? Vous avez d'autres. Ouais. On peut pas en parler encore dans si, parce que c'est maintenant c'est complètement, on arrive au bout. C'est le projet d'un long métrage qu'on écrit depuis 2 ans à peu deux près. Ans plus, ouais. Après parce que vu qu'on a aussi d'autres projets à côté, on n'a pas voulu se presser, faire un truc en 3 mois et arriver à la fin. Non, on a vraiment voulu arriver avec un vrai projet, et vu que c'est mon premier long,
vraiment où je suis à la base du truc et que je veux vraiment en faire un projet voilà, vraiment bien taffé, bah, j'ai appelé Vincent, Freddy et Flaubert qui est arrivé sur la fin mais qui a bien repris le projet aussi. Et on bosse tous ensemble. J'imagine que vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas de structure. C'est-à-dire. Allô, Flo? Non! Et bon, écoute, on a un texte de 800 pages. On a juste 80 sketchs. Est-ce que tu. Quoi? T'as une idée de comment faire pour les mêler? Un moment, c'est dans l'espace et un moment, c'est avec des tortues en bas. Un moment dans le contre-champ. Il y a un moment donné, dans le contre-champ, j'ai une perruque blonde. Après, il revient. Dans l'autre contre-champ, j'ai un sabre. Dans l'autre contre-champ. Et ça, c'est important de le garder. Après, je pense qu'il y a moyen de les lier. Mais, on s'est un peu emballé. On a passé des bonnes soirées. Il y avait un peu de temps, mais moi j'ai quand même été déjà bien aidé, bien épaulé par Freddy et Vincent qui vraiment ont une grosse maîtrise du scénario. Là où moi j'ai jamais écrit de projet aussi gros et tout. Où ils avaient beaucoup plus de professionnalisme, vraiment avec les. C'est con, mais moi ça m'impressionnait de voir des post-it sur un mur. J'étais oh putain, tout le coup, on voit vraiment le film en fait. C'est comme ça que vous vous repérez. Alors que moi vraiment c'était sur mes vidéos, c'est un Google Drive dégueulasse avec même pas de majuscule. À un moment donné, il y a ça. T'sais. Non, là c'était vraiment le mot biscotte. Biscotte galerie. Tout à fait. Et donc voilà, on tape sur ça à côté. Moi sur mes vidéos maintenant. Je peux pas sortir un truc sans que Freddy il donne son avis. C'est devenu... un peu ta caution. Moi, c'est Navo. C'est ça. C'est le doute. Qu'est-ce que t'en penses, machin. S'il te dit, OK, c'est bon, tu prends confiance en toi et tu peux le complètement. Vendre. Complètement. Oui, on a tous besoin de ça. C'est un poste clé. Et en vrai, inversement, je lui ai envoyé une vidéo il y a deux jours pour dire, mec, là, je suis perdu. C'était qu'une vidéo Insta. Mais c'était un truc de. Ouais. Là, je sais pas du tout si ça marche ou quoi et tout. Et je pense que de toute façon, vous connaissez le truc. C'est important comme ça de pouvoir avoir des gens autour de soi pour sonder. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens marrants ont leur caution dans l'ombre qui les valide. Je pense d'ailleurs c'est soit un pote, soit un mec de longue date. Toujours un doute, tu peux pas être serein à 100%. Jamais. Et puis généralement, jamais. On l'écoute tout de suite. Jamais. Non mais je trouve que c'est ça. En fait, et de plus en plus, je vois Freddy, t'étais vraiment un peu. Moi j'ai vu ton nom popper en tant qu'auteur un peu partout comme ça. Je me dis, Il y a eu tous les films déjà. Ouais, il y avait les films. Déjà, ouais, tellement de Freddy, mec. Ouais, déjà, ça c'est ouf. J'avais pas compris, t'as mis du temps. Il a fait quoi? Non, il a pas de film avant. YouTube, il a fait des vidéos. Voilà, n'importe quoi, ce mec. Alors que pendant ce temps-là, Ken, j'ai vu dans ses yeux, il a activé. C'est forcément une vanne, vu le ton qu'il a pris. Quels étaient les trois derniers mots? Il y avait Freddy, c'est des films. Ok, je l'ai. Oui, il est fini. J'ai le logiciel Navo. J'ai le logiciel Navo et je sais quand c'est une vanne. Il a quelle mise à jour là? J'ai pas fait l'update. Ouais, non, mais il est à jour, il est clairement. Ah, il est à jour, il est toujours à jour. C'est la V combien? Là, je suis à jour. Dis donc, Delevoye, il a été viré. Tu vois, je suis à jour. Delevoye, je l'ai pas. J'ai pas la ref. Et bah voilà. De toute façon, c'était il y a 3 mois. Ah, mais c'est vrai qu'on est. Ouais. Donc, je suis pas à jour finalement. Non, t'es pas à jour. Et Balkany, oh. Mais... ça marche toujours. Benalla. Les Panama Papers. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est dur comme exercice de se souvenir comme ça des trucs. Enfin, en cas politique, qui moi de mon côté. Jacques Chirac, les emplois fictifs de la mairie. Ce qui est cool, c'est que même si t'enregistres en différé, genre tu sais que ça va être dans 2-3 mois, il y a des sujets, tu vois. Tu peux dire, bon, le voile, faut qu'ils arrêtent d'en parler. Oui, ça reste. Vous avez vu ce qu'a dit Éric Zemmour? C'est acceptable. Oui, tu peux le faire toute ta vie, tu peux enregistrer maintenant pendant 4 ans. Ouais, tu peux dire, les musulmans, ils en prennent plein la gueule pour rien quand même. J'ai encore la télé. Je crois que ça va durer un moment. Ça marche toujours. Mais t'étais vachement dans l'ombre, mais là on t'a vu dans Mirador, c'est quand même un truc de ouf. Là, vous êtes allé à Solidays, elle allait loin l'arnaque. C'est même plus une arnaque au final. C'est devenu une œuvre à part entière, c'est incroyable. Au début c'était genre on s'amuse, on rigole. Je crois que ça a fait des streams mais incroyables. Dans les stories que tu mettais, les gens ils écoutaient ça en boîte, ils kiffaient. Il y avait un côté un peu second degré, mais c'est devenu très rapidement premier degré, amusement. C'était devenu un vrai son quoi. Bah tu vois, je crois que c'est le truc dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de le faire, alors moi c'est vraiment humoristique. Bah oui. Vraiment, c'est vraiment. Et moi qui me chie dessus à pas faire tourner les machins et tout, lui il a fait un type. Solidaire, ça va ou quoi? Avec sa chemise et ses lunettes. C'est que j'étais chaud pour faire la tournée des showcases et tout. Il fallait le faire. Ça m'a aussi dit parce que Freddy, lui, c'était le mec de l'ombre au début. Moi non, tu veux que je joue dans ta vie? Oh, c'est cool, mec. En fait, j'ai eu ça pendant très longtemps, ce truc de. Ce truc de se sentir illégitime. Pas légitime, exactement. On l'a tous, ça, surtout en tant qu'auteur. Et un truc aussi, très peur de faire de l'ombre à la personne avec qui tu travailles. Tu vois. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis là pour tenter d'épauler les gens
et de faire en sorte que ce qu'ils font, ce soit très bien, tu vois. Ouais, ouais, bien et, sûr. Et d'un coup, c'est quand... un noble métier. Et d'un coup, bah, je voilà. suis très admiratif de ce. Bah que voilà, tu exactement. Et d'un coup, quand tu dis, est-ce que si je suis dedans, est-ce que c'est très bien, tu vois? Et moi, j'étais vraiment pas sûr de ça. Je me disais, bah non, il y a des fric, gens. T'es contre le fric déjà dans ton écriture, donc bah, imagine dans oui, ton ça, image. Oui, exactement. Et d'un coup, tu te dis, bah, je suis pas sûr, moi, d'être assez drôle pour faire ce genre de truc, quoi, tu vois. Et là où, par exemple, bah, en fait, le truc, c'est que d'un coup, les gens avec qui tu bosses, et Yvick, il y a un truc. Il a douté d'être marrant? En vrai. Non mais il y a un truc en vrai. Non mais en vrai, je te jure, mec, il y a des détails. Tu vois, par exemple, le truc du 42, là. Ouais. En vrai, c'est pas qu'un détail. Je trouve ça hyper intéressant parce que. C'est une vanne que je trouve sur le plateau, tu vois. Et j'ai dit, la basket, elle vient. C'est pas vrai, on l'avait écrit de moi. Et il y a la basket qui est là, et de dire, oh, c'est une taille 42 que t'as. En vrai, et sur le plateau, je le propose en disant, ça peut être une vanne que quelqu'un peut prendre, tu vois. Et Vic, il me dit, bah non, en fait, fais-la toi, tu vois. Et en fait, ça m'a tellement. En fait, juste, ça me surprend, ça, ce truc-là. Ce truc de généralement, en fait, les gens, la plupart des gens auraient dit, bah trop bien, si la vanne, je la trouve bien, je la prends. Bah ouais. Et c'est tout, quoi, tu vois. Et là, ça m'a surpris. Et donc, c'est juste, en vrai, je suis surpris de ce qui est de voir la générosité. Mais tu travailles dans une bonne team. En vrai, c'est cool. Je peux pas prendre cette vanne-là et faire genre. Mais non, mais normal. Vous avez vu l'inspi? Sauf acheter mon album. Non, mais sauf qu'à la base, moi, j'étais là pour. Enfin, c'était mon métier, moi, de donner des vannes aux gens, tu vois. Donc, c'était normal, tu vois. T'as la même position que Navo. Je pense que Navo est embarqué depuis maintenant 8 ans à jouer devant la caméra, faire des premières parties devant. Ça fait quoi? Ça fait 400 dates qu'on a fait. On a fait 400 dates ensemble dans l'émission. C'est pas ce qu'il me dit, viens. Hein. Je dis, ouais, Navo, je fais une émission. Je vais faire une émission sur ma chaîne. Je fais cool. Après, il fait donc ce qu'on pourrait faire, nanana. Moi, dans ma tête, j'étais là-bas. Ouais. Après, j'arrive, il y a un micro. Je fais, ben quoi? Bah, c'est toi. Il y a ma tête sur la tasse. C'est beaucoup trop. Ah bon? Ah, on est dedans? Mais vraiment, je crois que c'était 3 jours avant. Ah, on est ouais, dedans ouais. tous les deux? Ouais, grave. À chaque fois? Ouais, grave. Quand je suis là, moi, non, je suis là. Okay. On rigole, on est tout le temps ensemble, c'est normal. En fait, ça fait partie de. Tu vois, quand on faisait des vines, on faisait des vines ensemble. Je pense que quand ta démarche en termes de. Ta vraie démarche, c'est d'être auteur, c'est parce qu'en fait, t'as un vrai kiff. En fait, tu déplaces un kiff. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils kiffent qu'on leur dise que t'es trop marrant. Et il y a des gens, ils kiffent qu'on sublime leurs blagues. Et donc, plus ils sont entourés de gens, je pense que c'est ça, tu es entouré de gens qui sont trop débarrés toute la journée, toi, tu arrives avec ta petite blague, tu dis, tiens, tu peux la faire? Et le gars, il l'a fait de façon trop marrante. Tu vois, il y a un truc où tu dis, c'est comme si tu. Tu vois, je sais pas, c'est difficile à expliquer. Mais c'est une sorte de. C'est une chance, quoi. T'as quelqu'un qui te transforme, il te transcende ta blague. Ouais. Et souvent, quand tu commences, tu choisis pas trop les gens avec qui tu travailles, tu vois, t'es pas. Et après, à un moment, tu commences à bosser avec des gens, ouais. Et ils vendent ta blague de ouf. Tu vois, je sais pas comment dire, le gars est tellement capable. Bah, alors là, on est en diffusé, mais genre hier, on faisait première fois. Ouais. Bah, le truc qui est vraiment kiffant quand t'es auteur, donc première fois, c'est une scène ouverte de Yacine Bellous où tu dois faire quelque chose pour la première fois. Et Kian me dit, vas-y, viens, on écrit un truc pour que je monte sur scène. File-moi un coup de main pour l'écrire. Et en fait, on l'écrit, mais genre 2 heures avant. Et c'est hyper kiffant d'avoir un gars avec. Surtout que moi, je suis relou. Moi, je suis relou, j'ai du mal à comprendre ce que signifie. Et jamais il me dit. Mec, je joue dans 2 heures là, il faut que j'apprenne le texte. Il me dit, intéressant, dis-moi en plus, parce que j'ai du mal à comprendre en quoi la première réflexion qui est faite ne s'oppose pas à la troisième partie quand on pivote, tu vois. Et je fais, j'ai rien compris, tu peux répéter? Nanana. Après, il fait, ouais, ok. Et il cherche vraiment, et après, il intègre, et il joue sur scène, et ça claque. Et en fait, moi, jamais de la vie, je fais ça. Ouais. Moi, il y a quelqu'un d'autre qui vient me casser les couilles pour un truc, qui essaye d'améliorer mon texte. Je fais, mec, je sais pas le faire, laisse-moi, je sais pas jouer déjà. Je peux pas arriver sur une scène, tu vois, il y a un truc, et donc je pense qu'il y a ce truc kiffant de... Et donc du coup, c'est pas que tu te sens pas légitime, après c'est... La façon humble, c'est de dire je me sens pas légitime, mais la façon, vu que je suis pas humble, c'est de dire, mais je suis quand même capable, je suis assez intelligent pour voir quand quelqu'un est un bête de comédien, est trop marrant, et que j'ai pas l'ego de dire, je vais la faire moins bien. Mais les gens seront aussi moi. Ah oui, d'accord. Tu vois, ouais, ouais. J'ai fait la mieux. Parce qu'en fait, c'est mon enfant, cette blague, je veux qu'elle. Tu vois, c'est. Oui, mais entraînant. Il y a des riches, il y a. Tu vois, je suis les parents d'Arnold et Willy, ils disent on le prend. Oh, prenez-les. Là. Mais le truc, c'est que vous êtes devenu. Enfin, vous êtes comédien. C'est-à-dire qu'à force de traîner aussi avec des gens qui font de l'impro tout le temps, parce que c'est ça, en fait, notre vie, on est d'accord, on est toujours en train de faire des impros. Ouais. Même si on n'est pas filmé, on est là, on fait des blagues. C'est quand même la meilleure école d'acteurs que tu puisses avoir au monde, quoi. Même si t'es pas mon comédien, au bout de 8 ans, t'as traîné avec Dedo, Yacine, qui sont les plus gros improvisateurs de vie. Les blagues de vie, c'est même pas filmé, c'est des blagues de vie. Ouais. C'est-à-dire pendant 2 heures, voilà, Dedo, il est magicien et c'est parti, quoi, pendant 2 heures. Et c'est que des impros comme ça, donc forcément t'es formé à l'école, t'as quand même beaucoup plus d'heures de vol qu'un stand-upper qui commence. T'as déjà fait 400 dates dans tout le monde entier, mais au maximum, ce qui est rarement le cas, t'es au niveau, tu peux peut-être atteindre le niveau des gens avec qui tu bosses déjà.
tu les dépasses pas. C'est pas genre, à force de traîner avec Kian, je suis devenu meilleur que Kian. C'est peut-être qu'à un moment, j'arrive à un certain niveau où. Mais il n'y a pas de comparaison, je pense que non, c'est non, mais c'est pas de la comparaison. Ton style est bon. C'est juste qu'à un moment, quand t'as une blague, tu dis, bah fais-la toi. Ouais. Il y a une logique en fait, tu vois. Si un jour j'ai une blague et je me dis, mais il va jamais réussir à la faire, c'est moi le meilleur pour la faire, mais je la fais. Bah ouais. Mais ça n'arrive pas. C'est juste ça en fait, c'est que tu dis, bah moi je veux que ma blague elle soit marrante, c'est tout ce que je veux dans ma vie. Ouais. Freddy, c'est pareil pour toi. Bah, ce truc-là existe. Après, il y a un truc de. Enfin, moi j'aime beaucoup jouer la comédie, mais c'était surtout que j'avais l'impression que sur un plateau par exemple avec Yvick ou d'autres, si je suis là en tant qu'auteur, je suis là en tant qu'auteur. Et en fait, j'ai toujours eu peur, moi, d'un coup, de prendre une place qui n'était pas la mienne. Ouais, c'est-à-dire que quand on me sollicite. C'est très humble déjà. C'est normal, c'est-à-dire qu'à la base, Sylvie qui me dit ouais, putain, je kifferais qu'on écrive un truc ensemble, je suis là pour écrire, tu vois. Et je me dis, ok, il faut que je sois bon dans l'écriture. Et d'un coup, ben, on le voit même sur les gros projets, quand d'un coup, il y a un truc de ah, ce rôle, ça pourrait être le tien, vraiment, il y a ce truc-là pour l'instant. Je dis, en fait, ça peut être quelqu'un de meilleur que moi. C'est ça qui est chiant avec Vincent et Freddy, c'est qu'ils jouent bien, même très Vincent, bien. Il est incroyable. Vincent, et c'est, du coup, quand des meilleurs acteurs. Les deux, quand ils te vendent des blagues. Tu fais, mais merde, fais-la. Tu vas faire tous les persos du film, mec. Là, vraiment, ouais, surtout je Vincent, vois personne d'autre la faire mieux que toi. Bah, arrête, même ouais. Toi, quand, le personnage du supporter. Ok, jamais dans les bacs. Plus jamais. Et non, le personnage, genre, il le fait, je fais, ah, putain, ouais, mais si c'est quelqu'un d'autre, je vais moins aimer. Je ouais, le sais très bien. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est bah, ça qui est relou avec ouais, c'est les meilleurs castings du monde, c'est voilà, castings évidents. Voilà, et après, tu le fais. Mais bon, voilà, tout ça, je pense que c'est une histoire, en vrai, tout ça, de confiance en soi, tout simplement. Et c'est un truc, moi, où j'ai peur d'un coup de prendre une place. On va plus te voir, tu sens que t'as plus envie de le faire maintenant. Bah, de plus en plus, de plus en plus. C'est un kiff que tu prends, tu te sens légitime maintenant. Ouais, bien sûr, Et puis, en vrai. Les gens le demandent aussi, tu vois. Et puis, le jour où les gens s'en lasseront, ce sera pour moi encore extraordinaire de pouvoir faire des vannes que les autres font. Tu vois, écrire des vannes que les autres font, c'est génial. Cette sensation de t'écris une vanne et le mec la joue sur scène et tu vois que ça marche. Je trouve ça encore incroyable. Quoi, mais ça aide beaucoup, par contre, aussi. Moi, ça m'aide de ouf. Par exemple, quand Ken me dit, vas-y, fais mes premières parties, et que je me dis, ah, ok, là, on est sur 100 000 personnes en cumulé qui vont me voir, je me dis, mais bon, bah, les couilles, qu'ils aiment ou pas. En fait, ça aide vachement ce que je dis. Si à tout moment, tout le monde envoie des tomates, je fais, vous savez quoi, kiffer pendant une heure, c'est mon vrai travail que je vais voir. Là, c'était pour déconner, il m'a dit, monte, je suis monté, voilà, je suis comme vous, pas de galère. Hein, il prend une tomate, c'est hyper rassurant. C'est tellement le parachute, c'est tellement le truc que je dis en ce moment, un truc de non, mais ça marche pas. Mais tu dis pas tout s'effondre. Reviens à ce que je faisais, c'est pas grave, tu vois. Il y a un truc de. Quand t'as un gars sur scène, tu vois, et c'est ta vie de faire la scène, si tout le monde te dit on te déteste quand t'es sur scène, tu n'as plus de métier. C'est ça. Moi, je fais le sparade, il y a plein de gens que vous aimez, je suis derrière eux. C'est ce que je veux dire pour le deuxième album. Ah, moi, je suis youtubeur. Si ça marche pas, tu fais. Moi, c'était une connerie, les gars. Ah non, mais là maintenant, je vais faire la réalité. C'est rap, c'est réalité, c'est juste que c'est un peu plus long. Ouais, c'est un vrai j'ai mis tous les setups. Les gars, je voulais faire un deuxième petit jeu là pour qu'on s'amuse tout autant. J'ai mélangé deux passions. C'est un jeu qui s'appelle le Sporno. Oh, ouais. Créé par mon pote Gauthier. C'est sport ou porno. Ok. Je vais vous faire écouter des sons et vous allez me dire est-ce que ça vient du sport ou est-ce que ça vient du porno. Ok. Est-ce que la ville est toujours là. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est génial. Porno, ça. Ça allait très vite. Ça a l'air porno. On dirait surtout un chien. Ouais, On dirait un chien. Un chien, après, dans un porno. Un chien d'une vidéo virale de chien. Ouais. Ça, un bruit un peu. Ça peut aussi être un service au tennis. Robert, une dernière fois. Une dernière. Non, ça c'est un porno. Ça c'est un porno, effectivement. L'acoustique nous prouve que c'est un porno. Ouais, je connais très bien le porno. C'est vrai, mais il n'y a aucune réverb. Il n'y a aucune réverb. Ça se voit qu'il était dans un salon, appartement haussmannien. Voilà. Ça, quand tu te branles, tu fais genre, l'acoustique est formidable. Ils ont dû mettre des coquilles d'œufs sur les côtés, ils ont mis des boîtes d'œufs. Je me les branle en studio, moi, c'est vraiment. Ce qui serait incroyable, c'est qu'ils disent, ça c'est Angela Peters. Et je suis à deux doigts de le faire. Dans une camionnette. Et la vignette, je me rappelle, c'est elle qui appelle un taxi, je crois. Et voici les tags. Et le troisième commentaire, c'est qui est cette femme. Et le cinquième, c'est Wham qui répond. C'est Angela Peter, je crois. Deuxième extrait. Oh, ça, c'est. Oh. Alors, dans les deux cas. De l'extérieur. Si c'est un sport, c'est un sport que j'ai pas envie de faire. Ah, ouais, si c'est un porno, c'est un porno que j'ai pas envie de faire. Attends, comment ça peut être un sport? Tu peux le remettre?
Non, je dirais sport, moi. Ça peut être une scène dans un porno aussi. Non. Ah, mais alors, c'est vraiment... Dès le deuxième, il a mis un piège. Ah, c'est vraiment, non, mais c'est pas le cas. La catégorie, alors, elle est hard. Non, non, je pense que... C'est... Attends, c'est pas plutôt genre un sport, une victoire ou un truc dans un sport. C'est peut-être pas... Ah, l'air. Oui. Ah, une blessure au foot. Peut-être une... Ah, c'est une sale blessure, là. Ah, ouais, cool. Attends, là, c'est un fémur qui sort. Ouais, genre quelqu'un qui vient d'avoir le maillot, je sais pas quoi, la coupe de je sais pas quoi, et qui pleure de joie. C'était pas si... Pas si bien dire, c'était... Exactement, Freddy, vas-y. C'est un lanceur de marteau. Attends, mais je l'ai... Attends, il y a un truc qui bug, là. Je l'ai pas dit. Ouais. Tu dis, il lance. Ah, ok, putain, je me suis dit, il lit dans ma tête. Il a mon code Wi-Fi de bien cerveau. Sûr, bien sûr. J'ai flippé. J'ai un truc de... C'est quoi, Freddy, rien Dieu. C'est mot de passe, ton mot de passe, je crois. Tous les moments où il révèle sans faire exprès ses super pouvoirs, on coupe. Ouais, bah ouais, bah merde. C'est hyper drôle. C'est pour ça qu'on fait rien en direct. Ouais. Ré, fa, fa, sol. Ça, c'est... Porno ou sport? Bah, c'est sport, ça. Sport, ça, c'est un truc. Sûr que c'est de pas un mec qui se fait suivre. Yes, haltérophilie, bien vrai. Haltérophilie. Tu connais le gars? Tu sais pourquoi? Non, parce que quand j'étais petit, j'avais plein de livres de bêtisiers, tu sais, de moments drôles dans le sport. Et souvent, c'est sur les têtes d'haltérophiles, de mecs qui font de l'haltérophilie, c'était ils avaient des têtes comme ça. Okay. Ou alors des mecs qui font des têtes au foot et qui avaient des têtes nulles. Okay. J'ai commencé l'humour assez jeune. Grâce à ces livres. Prochain son. Porno. C'est Pierre Woodman, ça. Oh, il a le gars. C'est une blague. C'est Pierre Woodman, quoi. Oui, oh, il a vraiment. C'est le gars le plus sale qui joue de la façon la regarde, plus sale. Regarde, on a un extrait plus long de Pierre Woodman et c'est vraiment, pour moi, c'est il a les orgasmes les plus fous. Ok. Si on écoute. Putain de merde. C'est tellement trop. Il respire. Mais il jouit combien de litres pour faire ça? C'est pas possible, ça s'arrête jamais. Oh attention, prochain son. Non, sport, c'est du sport. Ça, c'est un corbeau. Les gars, vraiment, vous êtes spécialistes. C'est vraiment du porno. Sport, c'est le corbeau dans Nicky Larson. Ouais, c'est ça, ou c'est du porno de mouette. C'est le corbeau dans Nicky Larson. Moi, c'est dans Nicky Larson. Ouais. Effectivement, c'est de l'haltérophilie. Ah ouais, c'est un oiseau, effectivement. Wow. C'est vraiment un truc de... Le gars n'a plus aucune... Voilà. Ouais. Je vous donnais une image. Ça... C'est du hockey, putain, il y a un piège, ça doit être du porno. Est-ce qu'on dirait... Putain. Je pense qu'il y a un piège. Moi, je sais pas, c'est peut-être un piège. Moi, je connais Gauthier qui a fait ce jeu. C'est un joyeux drill. Je pense pas qu'il se dit « Bon, c'est pas grillé que c'est du hockey. » Ou du football américain. Football américain, d'ailleurs, ouais. On regarde tout de suite. Ah, footballeur américain qui se fait... C'est quoi alors? C'est un vrai match? Je pense que c'est un porno où il est tellement en train de se faire sucer sur la pelouse. Le tésu. Oui. Et là, on dézoome encore, il est dans un stade. En fait, là, c'est un peu les deux. Et avec une gourde. Là, bah ouais, c'est ça qui est cool. C'est une gourde Powerade comme ça. En fait, il fait boire. Et il dit, arrêtez là. Et en fait, juste, c'est une meuf du public qui est venue, donc c'est du sport. T'imagines? En fait, c'est plus tu recules, plus tu découvres. Ah, c'est ça. Pardon. Oui, ça. Et en fait, non, c'est bien du porno. Pour moi, je voyais ça. Je voyais. C'est du sport. Ah non, c'est du porno. Après, tu vois les mecs de la sécu en train d'essayer de l'enlever. Ah non, c'est du sport. Après, tu vois des caméras. Tu vois, ils sont en bite. Après, c'est du porno. Ils sont en bite, les gars de la sécu, ils sont en bite. Okay, d'accord. Après, tu vois des gars de la sécu en train d'enlever les mecs des caméras. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et à la fin, c'est vraiment des caméras au-dessus du stade, comme ça, tous comme ça. C'est vraiment un énorme. Non, et à la porno. Fin, c'est un gars qui termine de le peindre. Et tout le monde dit, c'était un trompe-l'œil. Et il se fait sucer. Et il y a encore une caméra derrière. Et ça a des zooms et c'est un mec devant son écran qui se branle. Ah bah, c'était du porno. Sauf qu'en fait, il se branle, mais en soulevant une halter. Je crois qu'on va faire un dessin animé de ça ne s'arrêtera jamais. moi je voyais ça, je voyais. C'est du sport. Ah non, c'est du porno. Après, tu vois les mecs de la sécu en train d'essayer de l'enlever. Ah non, c'est du sport. Après, tu vois des caméras. Tu vois, ils sont en bite. Ils sont en bite, les gars de la sécu. Ils sont en bite. Ok, d'accord. Après, tu vois des gars de la sécu en train d'enlever les mecs des caméras. Ouais, c'est ça. Et à la fin, c'est vraiment des caméras au-dessus du stade, comme ça, tous comme ça. C'est vraiment un énorme. Et à la fin, c'est un gars qui termine de le peindre. Et tout le monde dit, c'était un trompe-l'œil. Et il se fait sucer. Oh non, il y a encore une caméra derrière. Et ça a des zooms et c'est un mec devant son écran qui se branle. Ah bah, c'était du porno. Sauf qu'en fait, il se branle, mais en soulevant une halter. Un sketch de 8 ans. Attention. Prochain son. Alors attends, c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a des enfants. Non, il n'y a pas d'enfants. Ah, il y a beaucoup de monde. Hein. On dirait des enfants dans une cour de récré comme nous, c'est un peu. Romain.
Il y a du monde autour, je pense que ouais, c'est. Ouais, ou alors c'est une orgie. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est un truc à plus. Non, ah, orgie, c'est du no-port. Attends, remets. Non, il y a quand même un bruit de claque, hein. Il y a une petite claque. Hein. Moi je dis pas, mais je veux pas vous induire c'est en tennis. Moi je dis c'est du tennis. Ouais. Moi j'ai porno. Porno. Sport, sport, j'entends des voix derrière. Et non, c'est du tennis. Ah là. Ah. Tennis. Tennis masculin, voilà. C'est Roger Federer. Quand il se prend une balle. Mais sans la voix modifiée qu'ils font à chaque fois en direct pour nous faire croire qu'il a une voix un peu plus virile. Attention, c'est parti. Ah, c'est du porno japonais. Attends, remets. Ah, pardon. Ah, je ne connais pas. Ça me tue qu'ils reconnaissent vraiment les détails. C'est la qualité du son, on sent que c'est NTSC. Non, mais c'est le cri, c'est les jouissances de japonaises. Enfin, Philippin, mais oui. C'est vraiment japonais, ça me tue si c'est japonais. C'est porno, mais c'est vraiment japonais. Qu'est-ce que t'en dis, Freddy? Je pense que c'est du porno. Remets une fois. Non. C'est du sport. Ah, il y a un petit bruit avant. Il y a un petit bruit de curling. Il y a un petit bruit avant. C'est du sport, effectivement. C'est du curling. Ah, c'est ça. Il y a un bruit de curling. Bien joué. Je me suis rattrapé sur la fin. C'est du curling. Parce qu'il y a le. Ouais, c'est ça. Après, ça peut être très porno. C'est très vrai. C'est vrai, bien sûr. Et dernier son. Ça peut être aussi un couteau dans un ventre. C'est ça. Le porno qui dégénère. Quelqu'un qui gonfle un pneu dans le ventre de quelqu'un. C'est compliqué. Alors, on peut remettre une fois. Non, ça c'est tennis. Ça. Ah, genre, j'aurais dit porno, moi. Comme on a déjà vu tennis. Ah, mais c'est dans la construction. Mais moi, je suis influencé par le fait que c'est goth. C'est ça le truc. C'est que je le vois et c'est de nous troller. Mais la qualité du son, là, c'est très aéré. C'est du sport, je pense. C'est du sport. Ouais, c'est du sport. Ça dit quoi, toi? Moi, mais malheureusement, c'est de la psychologie inversée. Bah, c'est vraiment du sport. Porno. Que je vais dire que c'est du porno. Okay. Porno, en fait. Mais ça, c'est pas respect pour Gauthier. Donc, c'est du porno. Porno, en fait. C'est du sport. Ah, okay. C'est du tennis féminin. Il avait pensé. Putain, mais encore. J'avais raison. En plus, t'avais raison. C'est l'histoire de ma vie. Bien joué, les gars. Vous avez kiffé? C'est très drôle. Ça m'a donné envie de faire du sport. Mais lequel? Le seul que je pratique. Alors, contre, on fait des jeux, mais on compte jamais les points. Non, il n'y a pas de gagnant. Oui. Oh là là, parce qu'on les compte, on les compte en post-prod pour pas humilier les invités. On s'amuse. Pour mettre 1000 points. Oui, chacun. Ouais, tout le monde, ouais. C'est quoi, t'as 1000 points? Ouais. Freddy, t'as 1000 points. T'as 1000 points. C'est Jacques Martin. Voilà. Et moi, j'ai 1000 points. Tout le monde a 1000 points. C'est Jacques Martin, l'école des fans. Tu donnes. Ouais. Dis, tout le monde a gagné. Tout le monde bravo les enfants. Les enfants sont incroyables. C'est horrible qu'ils fassent l'inverse. C'est genre vraiment un seul. Sérieux, tout le monde a gagné. À part un avec une croix de nez. Il fait, toi, t'as un. Le traumatisme. Il avait trop bien chanté. Une fausse anecdote sur Jacques Martin. Ok. Et deux vraies et une fausse. On a trouvé laquelle. Sa marque préférée, c'est New Balance. Ok. Voilà. C'est vrai que c'est une fausse anecdote sur Jacques Martin. J'ai pas de transition. Ce serait quoi pour vous le meilleur épitaphe de votre vie? Alors, un épitaphe, c'est quoi? C'est ce qu'on marque sur sa tombe, sur sa pierre tombale. Je le savais. Maintenant que tu le dis. Je ne l'ai pas demandé avant. Je prends l'émission, elle me dit c'est quoi un épitaphe. Et moi, je le savais, mais je n'ai pas eu le temps de dire ça. Alors, on va commencer par l'épitaphe le plus beauf de votre life. Alors, c'est-à-dire qu'on est mort et sur T'es la pierre tombale. Tu dois être le plus beauf possible sur ta pierre tombale. Sur la nôtre ou n'importe laquelle, on s'en fout? Sur la tienne. En général. L'épitaphe la plus beauf. Vas-y, l'épitaphe la plus beauf. Moi j'ai sucé Wham les meufs, je suis enfin raide. Ouh, ah, c'est bien beauf. Ouais. Moi j'ai, mais elle est peut-être que semi beauf. Je propose, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai l'impression c'est un peu beauf. C'est un peu beauf. Et en même temps, c'est presque second degré beauf. C'est vivant pour quelqu'un. Pour l'épitaphe, c'est vivant. C'est peut-être un peu trop malin. Ici repose mes couilles. Peut-être trop au premier degré. Peut-être un peu au premier degré. Peut-être. Mais ça veut dire que je peux plus boire de pastis ou quoi? Mais faut l'attention. C'est faut difficile, c'est un truc audio, faut appuyer dessus. Play. C'est ça en fait. C'est le truc. T'avais un truc, Navo, c'était le trou. Pleur du sperme. Je cherchais un truc avec trou. Il avait dit un truc qui était marrant, c'était je mettrais un trou dans la pierre tombale et je dirais vas-y, baisse tes morts. Oh. Ah ouais, mais c'est pas beauf, si c'est beauf. C'est un peu beauf. C'est presque classe. Moi, je trouve ça limite un peu cool, non? Ouais, bon, d'accord. Tu mets un trou, tu fais baisse tes morts. Sinon, un épitaphe un peu stylé. Attends, beauf. Attends, mais je pense que... Vas-y, beauf. Ce grand trou me change pas de ma femme. On a eu 5 gosses. Entre parenthèses, on a eu 5 gosses. Être dans ce grand trou, ça me change pas trop de ma femme. Entre parenthèses, vu qu'on a eu 5 gosses. C'est vraiment bien beauf. Hein? Vous l'avez? Ouais. Vous l'avez? Hein? Parce qu'elle a une grosse chatte à cause des gosses. La photo, c'est toi qui fais ça en dessous, genre.
Et d'un coup... Moi, j'y... J'en ai une, mais elle est beauf, mais gentille. C'est j'ai rejoint Johnny. Mais c'est peut-être. Ah, mais c'est vrai. Ça serait un vrai beau. Super, c'est bellement beau. Ça, c'est génial. J'ai sublimement beau. Genre, ouais, voilà, c'est beau finalement. Ouais. J'ai rejoint Jojo. C'est beau, poétique. C'est beau. C'est beau, beau. Ouais, en fait, je. Ouais, je vois l'homme. Là. C'est ce que je veux dire. Voilà, il y a un truc qui est beau, en fait. Vous êtes youtubeur, rappeur et philosophe, du coup. Ouais, évidemment. C'est vrai, vous brouillez des pistes, en fait. Mais c'est quoi ton nom de philosophe? Parce que t'écris. C'est quoi? C'est. Alors, Ivic, c'est. Ivic, mais V-I-E. Mister V. Tu as capté ou pas? C'est ton livre de développement personnel, c'est la Mister V. Mister Rien ne vaut la vie. Mister V avant qu'il ne soit trop tard. Épitaphe un peu stylé. Genre, c'est là-dessus, vous êtes auteur, vous devez partir un peu avec panache. J'aurais vécu ma meilleure panache vie. Panache yotiche. Oh, c'est pas mal. Vie avec V, quoi. Ouais. Ouais. J'aurais quoi? J'aurais vécu ma vie? Ma meilleure vie. Vie. Tu sais ce que je veux dire? La vie après la... La vie après la mort. Ouais, mais... Le vie après la mort. Le V après, ouais, un truc comme ça. J'en étais sûr. Ça... Alors, imaginons que je meurs à 72 ans. J'en étais sûr, ça faisait 72 ans que ma vie défilait devant mes yeux. Oh. Ah, c'est stylé. C'est stylé, j'avoue, c'est très stylé. On fera pas mieux, déjà. Enfin, difficilement, en tout cas. Maintenant, t'écoutes. Story time, je suis mort. Moi, j'avais... Non, moi, j'avais... J'en étais sûr, j'ai vu ma vie défiler pendant 73 ans, un truc dans le genre. Ah putain, elle est mieux. C'est vrai que c'est qu'il est fort, tu vois, c'est à sa voix, sa voix. Elle était pas mal la tienne, mais là, je trouve qu'il a su apporter un truc en plus. Ouais. Il y a 13, c'est le malheur, c'est la mort, putain, il est fort. Moi, 72, comme un con, quoi. Putain. Un truc stylé, un truc... Oh, bah là, c'est, je suis bien plus que dans l'ombre, cette fois-ci, on dirait. Pareil, c'est très audio. Ah non, moi, je demande à ce commentaire, sous Kian. Je suis en dessous Kian. Il y a écrit Kian est mort, coécrit par Navo. Moi, ce sera super. Dans un mausolée. Tu mets genre, moi, c'était vraiment cool la vie, merci. Coécrit par Navo. Qui se trouve juste en dessous. Ouais, ça me tue. Ça, c'est une bonne. Ça me va, je le fais, on le fait. C'est marrant. Génial. Tu le faire sous toi. J'adore. Non, je veux qu'on me crame. Alors du coup, faut que je trouve un truc. Mais non, mais on met la jarre en dessous, on s'en bat les couilles. Ah, mais c'est drôle. Je voulais qu'on me crame. Il est vraiment il est enterré. C'est drôle ça. Personne m'écoute jamais. Non, c'est pas ça que je disais. Moi, je veux qu'on me crame. Donc du coup, voilà. Je vais pas faire une blague sur le fait que je suis crame. Mais c'est drôle de t'imaginer. Je voulais qu'on me crame, mais personne m'écoute jamais. C'est ça, oui, c'est ça. Et tu es enterré. Je sais pas ce qu'ils font. Attends, qu'est-ce qu'ils font quand tu donnes ton corps à la science? T'as une dépouille ou pas? Ils font quoi après? De quoi donc? Moi, je voulais donner mon corps à la science et je voulais qu'il y ait des internes en première année qui peuvent avoir un local pendant le. Pendant les, tu sais, les trucs d'intronisation, là, j'ai oublié le nom. Les week-ends d'intégration. Les way, exactement. Tu vois, j'étais là, bon, bah, vas-y, prenez mon corps. Mais maintenant, on te le prend automatiquement. Non, ça, c'est les organes. Ah, d'accord. Donnez ton corps à la science et vas-y, vous pouvez me découper en rondelles. Ok, d'accord. Voir, faire des crash tests et tout. Ouais, vous pouvez prendre ma bite pour comprendre pourquoi elle est aussi jaune, aussi grande. Banale. Comment? Regardez ma bite comme elle est banale. Aussi banale. Le neutre, tu sais. Les Suisses l'étudient pour dire là, on va vraiment trouver quelque chose. Génétiquement, on va rester neutre jusqu'à la fin. Banal. Les gars, merci. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toi. On a une petite tradition à cette émission, c'est. Recommandez une chaîne YouTube que vous kiffez, un talent, quelqu'un, ça peut être de la musique, un artiste, un mec drôle, une femme drôle, peu importe, vraiment, recommandez quelque chose que vous regardez en ce moment et que vous voulez donner un petit coup de pouce. Qui veut? Ah, bien, j'en regarde pas mal, c'est pour ça que j'ai envie de trouver un mec. Vas-y, un ou deux, hein, tu peux en mettre plusieurs et tout. Hein. T'en as ou pas, toi? Je suis en train de chercher lesquels, je vois... Après, c'est tellement des moi, il y a un gars, c'est tendances. Squeezie. C'est pas mal. Bah, attends, j'ai quoi? Il raconte des anecdotes, c'est pas mal. Il abonné, je m'abonne, je suis déjà abonné. Il a besoin de force, donc n'hésitez pas. Abonné. J'ai peur de me répéter, je sais plus à chaque fois ce que c'est pas grave, vas-y, répète-toi, c'est toujours bien de répète-toi, c'est pas grave. Allez, les Parasites. Les Parasites, la chaîne Les Parasites. Ils ont d'ailleurs fait une série sur Canal+, qui s'appelle L'Effondrement. Il y en a quelques-uns là, qui ont été mis en ligne sur YouTube. Allez voir Les Parasites, allez voir. C'est très, 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 très bien fait. C'est de très haut niveau d'ailleurs. C'est vraiment, clairement du cinéma. Oui. Ouais, il joue tellement bien le comédien dans le, moi, j'aime dans beaucoup le premier épisode qui est sorti. Non, c'est pas la règle du jeu. Jeu de société des Parasites, c'est très, très bien. Un jeu de société des Parasites. Ah oui, ça fait un moment ça. Ouais, je conseille un truc comme ça, quand les gens arrivent sur la chaîne, commencer par Jeu de société. C'est très bien. Moi, c'est la chaîne Ebim que j'aime beaucoup. Ah bah alors là, on est sur les deux copains. Voilà. Voilà, clairement, c'est de très très haute qualité, c'est aussi d'écriture Ebim de qui jeu. Produit, les fonds. Ouais, c'est vrai, ils se suivent un peu. Ils font cocovoite ensemble. Freddy, on va te retrouver un peu plus sur YouTube aussi. Des vidéos YouTube quand j'ai le temps de faire ça, parce que vraiment pour le coup, ça me fait plaisir.
T'as l'air assez perfectionniste, hein. T'as l'air de passer 3 jours de montage dans ta cave. Ouais. Ces montages sont incroyables. C'est tellement taffé pour ces vidéos réactions, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est trop bien taffé. Il y a des transitions là quand t'avais fait masquer là, putain. Quand t'avais fait, je sais plus quel effet, mais tu t'es pris la tête pour un effet. Bonjour Internet, c'est Masqué en chair et en tissu et pour une mini blague, il m'a tellement dit. Par contre, tu peux te prendre moins la tête sur des fois des effets. Mais non, en fait, c'est ça que j'aime au final parce que je me dis, je le vois tellement comme ça faire sa transition et se buter à mettre chaque point là pour que. Enfin, ça me tue. Quoi. Ça dure 2 secondes de notre vie de se prendre la tête. 10 heures pour une blague de 2 secondes, c'est notre vie. Oui. Et après, tu sais que quand tu fais ça, tu peux pas faire des vidéos tous les 3 jours, quoi, tous les 4 jours. Donc il y a un truc de. Forcément ça sort un peu moins souvent, surtout si tu jobs à côté. Mais sinon en chaîne YouTube il y a un mec qui me fait pas mal marrer qui s'appelle Fred Absurde. Ouais, Fred c'est Absurde. Toi arrête, c'est un de tes personnages. Un gars qui s'appelle, c'est lui avec des lunettes, salut c'est Fred Absurde, il ouvre la chaîne tout à l'heure, genre il me dit, je décolle un truc, genre j'ouvre la chaîne tout à l'heure. Fred Absurde et il a un truc dont une vidéo avec ses enfants. Change au moins le prénom quand tu. Il y a un truc très frais. C'est le genre de profil que tu retrouves peu sur YouTube parce que le mec a 2 enfants et il s'amuse tellement avec eux. Il y a une vidéo qui est géniale où il s'amuse à écrire des mini scénarios, ils les font et tout. À des bars. Et c'est le genre de daron qu'on aimerait être si demain. Rien à voir avec Freddy Fred le chien. Non, qui est incroyable, mec. Qui est incroyable sur Instagram. Qui est incroyable, Freddy Fred. C'est toi qui m'as fait découvrir ça. Ouais. Tu l'as vu, Freddy Fred. Mec. Fait des scénarios avec son chien. Tu vas voir, Moi, je suis... Tu vas voir, c'est génial. Je suis peut-être rabat-joie, mais en fait, moi, ça m'angoisse pour le yinche. Non, parce qu'il fait ça très gentiment. En fait, j'imagine en train de prendre le yinche, genre... Ah non, c'est le chien. Non, c'est le chien qui demande. C'est lui qui a ouvert le compte. Ouais, c'est le chien qui. Ah ouais, non, c'est lui. D'ailleurs, le chien le dit. Aucun maître n'a été maltraité pendant ce truc-là. Des fois, il est là, tu sais, il a un t-shirt, il joue du piano, je sais pas quoi, il se coiffe et je suis là. Bon, c'est relou avec ton chien là. Peut-être fait de courir, tu vois. Il y a un truc où à un moment il va se prendre un truc maltraitant, c'est animal là, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Oui, non, il y a des trucs qui mettent un tout petit peu mal à l'aise, c'est très marrant. Mais je suis rabat-joie, il y a un truc qui met un peu mal à l'aise, je suis là-bas. Ah, je comprends, ouais. Okay. Alors, je vois pas ça parce que franchement, j'ai un chien et ce qu'il fait, je me dis, oui, bah, de toute façon, mon chien se laisserait faire aussi très gentiment. Oui, c'est ça. Tu sens que ça peut être faire. Il fait vraiment des pas en arrière, des trucs comme ça, tu dis pas. Après, c'est compliqué. Tu tires pas la patte comme ça. Oui, voilà. Après, c'est compliqué si tu lui fais faire des scènes de cascade. Peut-être que j'ai pas vu les bons alors. Parce que moi, j'ai vu celui où il tombe et il s'écrase au d'un immeuble. C'est ça. Il y a une voiture qui le roule dessus. Ça n'a rien à voir. Après, il ramasse le cadavre de son chien. C'est un face of death que t'as regardé. C'est autre chose. Ah, ok. Alors, j'adore Freddy Fred. Non, c'est pas ça. Yvick, t'as une recommandation de chaîne YouTube, un artiste que tu veux booster, quelqu'un. C'est Yvook. Ouais. Moi, c'est une chaîne qui s'appelle. Yvook Absurde. C'est un mec qui s'appelle Chaise. Mais c'est un comédien et pareil dans l'absurde et il me bute de rire parce que chaise, c'est des vidéos qui comme une chaise, c'est trop bien. Et chaque vidéo n'a rien à voir les unes avec les autres. Chaise. On va mettre le lien dans la description. C'est très 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 marrant. Il y a une vidéo où il fait un prank canular téléphonique qui est en termes de jeu, il est super bon parce très que fort. Il joue un personnage absurde tout le temps et c'est super, enfin moi il me tue. Et il y a une autre chaîne, mais qui n'a rien à voir avec de l'humour, qui est plus dans l'analyse de vidéos et de clips. C'est Hard Disk qui s'appelle. Oui, je connais ça, Hard Disk. Voilà. Ouais. Je le trouve vraiment bon et il mérite encore plus d'abonnés. En fait, je le connais parce que ça fait longtemps qu'il est sur Internet à l'époque de mes débuts en 2010-2011. Je me rappelle déjà qu'il était sur Twitter. Et c'est l'époque 2010-2011 maintenant ? Putain, eh oui, ouais. C'était il y a 10 ans. Ah bah, c'est 10 ans. Ouais. C'était l'époque. C'était l'époque. Pour moi, c'est l'époque, c'est mes débuts, tu vois. Ah ouais, waouh. Moi, je suis un mec, ça fait 11 ans que je suis sur Internet. Dans donc, le game. Tu sais, quand c'était parlé sur Twitter en 2010... Mais oui, parce que moi je l'ai découvert quand j'allais à la fac et que tu faisais... Le festival. Le festival de Cannes. Et j'ai misé sur ce gars. Regarde où il est aujourd'hui. Je l'ai tweeté. Il a misé sur moi. Il a misé sur moi à l'époque. Bravo. Attends. Mais t'avais 50 000 followers. Je me disais, c'était un truc de ouf déjà. Ouais. Ok. Déjà, ça, je me rappelle. Et on s'est vu la première fois à Cannes, au Grand Journal, on s'était croisés. Tu m'avais fait, ouais, ça. Et c'est tellement. Non, il a même pas dit, ouais, ça. Ouais. Je m'étonne que tu t'es parlé. On lui a fait les yeux comme ça. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Non, et voilà, et c'est vrai que, voilà, maintenant. Moi, je suis très content de faire cette émission parce que je reçois des gens dont vraiment je suis un peu fan. À chaque fois, je kiffe. On fait marrer tous les jours. Les stories, pour moi, c'est au-delà de faire des sketchs comme ça, c'est quelque chose qui fait aimer les gens. Donc, tu vois, c'est vraiment une sorte d'internet-réalité, tu vois, bien monté, bien stylé et tout. Donc, merci les gars d'être venus dans cette émission. Ça me fait très plaisir. Merci pour l'invite, mon gars. Je conclurai naturellement parce que vous avez constaté qu'il y avait des choses un peu bizarres pendant l'émission, des choses qui étaient inscrites un peu ça et là. C'est normal, c'est parce qu'il y a un jeu
dans chaque émission, chaque épisode de Un Bon Moment, il y a des choses à gagner. Il y a une énigme à résoudre. Revoyez cette émission et vous allez réussir, j'espère, à résoudre l'énigme. Il y a des trucs à gagner. Deux places pour un spectacle. On est en tournée actuellement avec Navo dans toute la France. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on a kiffé, les gars. C'était cool. Vous reviendrez. Trop bien. Quand trop vous bien. Voulez. Prenez soin de vous. Vous avez quelque chose à rajouter? Une dernière chose à rajouter? Un indice pour le jeu bleu. Bleu. C'est pas vrai. C'est pas voilà. Non, tu peux dire bleu. Vas-y. Un indice à rajouter? Vas-y. Vert. Vert. Le spectacle de Cannes me fait un peu à chaque fois culpabiliser sur le fait de pas faire du stand-up aussi bien que lui. Bonsoir à tous. Il en avait très gros, vrai. Il voulait le dire. Bah, ça fait très plaisir. Il m'en parle tous les jours. Toutes les heures. Là, d'ailleurs, tu. Bah, c'est non, mais gros, c'est vrai, c'est vrai, je l'ai dit. C'est vrai. Ça faisait une heure, il pouvait plus ne pas le dire. C'est vrai, quand je le vois, je fais waouh. Heureusement que je ne l'ai pas fait parce qu'il y a des mecs beaucoup plus forts que lui. Que moi. Mais t'es gaulerie, tu sais que t'es gaulerie. T'es vraiment gaulerie. T'es non, un mec gaulerie. Moi, je suis ça, client. Okay, moi, je te dis, moi, je suis client. C'est-à-dire que tu peux faire. Vraiment, je me dis, ah, c'est trop marrant. Moi, je suis déjà. Il le sait d'ailleurs quand je monte en tournée. T'as combien d'abonnés? Sur. Sur YouTube. 5 millions de ou un. Non, mais après, si tu trouves un bon co-auteur, tu sais, il y a moyen de faire de la scène, hein, tu veux dire. Non, après, la scène, c'est pas. Avec un bon co-auteur. Quand je veux des mecs comme ça, qui sont vraiment doués comme ça. Ouais, mais tu sais, les mecs comme ça, il y a toujours des gens derrière eux. Tu mourras pas tout seul, c'est ça ce qu'on veut dire, c'est que tu mourras pas. T'as mon numéro? Ah, non, mais c'est sûr que je mourrai pas tout seul. Je serai enterré sous vous deux. On va s'arranger, on fait un mausolée. J'amènerai Freddy avec moi. Les gars, c'était un vrai kiff de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci, gars. Sale. Deuxième album. Sale, plus sale, 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 sale. Plus jamais. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, plein de choses, une émission par semaine, des vidéos, des extras, des making-of, du stand-up, des sketchs, n'hésitez pas. C'est un peu mon fourre-tout. J'ai envie d'exprimer toutes mes idées à travers cette chaîne. Et cette chaîne est totalement gratuite. Donc, abusez-en, abonnez-vous. C'est pour faire de rigoler des gens.